Ça y est, nous sommes en ligne. Bonsoir tout le monde et Bonsoir. bienvenue à Naïk, qui est avec moi ce soir, du coup de la page du blog. Je parle des deux. Oui. Je perds tout le temps, voilà. Donc bienvenue à toi. Eh bien, merci. Et merci pour l'invitation à partager cette partie de Welcome to the Moon avec toi. Ah bah de rien. Moi ça me fait toujours plaisir de recevoir des gens, de les inviter, de jouer ensemble. C'est toujours des moments sympas. Super. Et puis, comme je te disais, moi, ça me fait toujours plaisir de jouer à Welcome. Oui, toi tu es Peu une importe grande où on fan. soit. Ah oui, très très grande fan depuis le premier volet et les trois sont à la maison. Et Welcome to the Moon est mon préféré, donc c'est avec plaisir que j'en referai bien une petite partie. T'as fait combien de campagnes toi de Welcome to the Moon? J'en ai fait quatre, donc j'ai bien fait le tour, Ouais. sachant que j'ai fait presque exclusivement en solo. Parce que je voulais bien tester le jeu avant de faire un article dessus. J'avais reçu un proto de Blue Cocker. Et donc, pour pouvoir faire le tour, je m'étais dit, il faut que j'ai fini la campagne. Sauf que la campagne, en effet, c'est en plusieurs campagnes. Donc, ça demandait du temps. Et au début, j'ai joué avec des gens, sauf qu'ils ne voulaient pas jouer autant que moi, aussi fréquemment. Et donc, j'ai fait trois campagnes complètes toute seule pour arriver à la fin de l'histoire. Ok. Ouais. Voilà. Et là, ça te donne envie de continuer ou du coup tu penses que t'as fait le tour? Non, je pense que j'ai pas fait le tour. De toute façon, quand je vois toutes les cartes spéciales, il y en a plein que j'ai pas croisées. Là, j'ai fait le tour de l'histoire principale. Enfin, voilà, je pense qu'il faut pas trop en dire, mais au bout d'un certain nombre de campagnes, on arrive en tout cas à un épilogue. Donc, j'ai atteint l'épilogue, mais après, pour voir toutes les cartes spéciales, tous les aménagements, les micro-règles en fonction des feuilles et des embranchements qu'on a pris dans la campagne, je suis loin d'avoir tout vu. Et d'ailleurs, je serais curieuse de savoir combien il faut faire de campagnes si on optimise tout pour avoir fait le tour du contenu du jeu. Parce que c'est énorme ce qu'ils ont créé. Oh, c'est fou. C'est dingue. Moi, je jouais toute seule la plupart du temps. Et à chaque fois, je me disais, ah mais non, mais c'est pas possible, ils ont fait ça aussi. Mais quel boulot! Quel boulot! C'est incroyable. Mais du coup, est-ce que tu notes les différentes choses que tu choisis à chaque fois? Non, là, j'ai vraiment joué le jeu de me laisser porter Ouais. dans ces premières campagnes. Donc, je ne me suis pas fait un tracker précis pour ne pas repasser par les mêmes chemins. Parce que je me dis, bah voilà, quand je vais la refaire, bah, tant pis si je retombe sur la même chose. Et ça prolonge aussi le plaisir de se dire, il va me falloir du temps avant d'en faire le tour. Et le fait de me dire que peut-être que ça n'arrivera pas, c'est aussi intéressant. Ouais. Bon, ça c'est chouette comme sentiment, non, mine de rien, je trouve. C'est super, bah, surtout que là, on est quand même dans une époque où tout le monde parle de rejouabilité. Là, en termes de rejouabilité, c'est juste énorme. Parce que, en plus, au-delà de la campagne, des différents aménagements qui sont faits, rien que le fait de rejouer sur les cartes, on a envie d'y retourner. Mais alors, si on ajoute la dimension narrative et ces petites surprises qui se débloquent au fur et à mesure, il y a de très, 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 très longues heures de jeu devant soi. Ouais. Et ce qui est sympa d'avoir ton avis comme ça, je trouve, c'est que ça ouvre vraiment la possibilité de faire plusieurs campagnes en solo. Et ça, je m'étais pas forcément dit que ça pouvait être aussi cool que tu le dis, quoi. J'ai mesuré en testant le mode solo, mais je me suis pas encore lancée dans la campagne et c'est vrai que ça donne envie. Ah oui, et pour le coup, j'ai pas énormément joué en solo. Je suis quand même beaucoup plus une joueuse multi, hein. J'aime le côté société Ouais. dans le jeu de société. Je me suis mis au solo peut-être il y a 2-3 ans. Le premier jeu solo que j'ai apprécié, c'était It's a Wonderful World, donc ça fait pas très 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 longtemps. Il en faut pour que je vaille rejouer toute seule. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, je préfère quand même jouer avec des gens. Et le côté campagne, c'est quelque chose qui me titille et qui me donne envie d'y retourner. Ça, c'est carrément cool.
Puis il y a c'est super. tellement de chouettes idées dans le jeu que on s'ennuie jamais en fait. Tu passes d'une feuille à l'autre, c'est des jeux complètement différents. T'as pas du tout l'impression de refaire 8 fois la même feuille, quoi. C'est ça, et pas du tout non plus l'impression de refaire ce que tu as déjà fait avec les deux premiers Welcome. Et même les extensions qui étaient déjà dans le premier, je trouve qu'ils ont réussi à être dans une belle diversité par rapport à ce qui était déjà proposé. Et moi, je trouve ça fou, hein. Là, j'étais encore dégoûtée. L'autre jour, je me disais, ah, il va bientôt y avoir les nominés au Spiel. Peut-être que Welcome va y être, à défaut d'avoir eu Cette l'As d'Or, parce déception. que j'y croyais. Ah, vraiment, j'étais fervente défenseuse de Welcome to the Moon. Je m'étais dit, s'il y a un Hollow Knight qui doit être nommé, c'est bien celui-là. Enfin, machin and White. Oui, avec toutes ces Sais plus comment combinaisons. Tu as une question? Alors déjà, tu as un bonjour de Alain qui nous regarde. Coucou, Alain. Et qui te demande quelle est ton aventure préférée? Alors, c'est super dur de choisir. J'aime bien toutes les aventures qui ont de fortes contraintes de placement. Moi, j'adore la 2 parce que je trouve qu'on se met tout seul dans la galère ou pas, Elle est trop bien en celle-là. fonction. Donc, je pense que c'est celle-ci ma préférée. Mais j'aime aussi, et qui je trouve sont un peu dans le même genre, dans cette idée de contrainte de placement, la 5 et la 7. Puisque, en fonction des choix qu'on a faits, après, on se réduit. Et c'est quelque chose que j'apprécie, qui pour moi fait partie de l'ADN. De Welcome, c'est qu'on commence avec des possibilités illimitées et c'est nous qui nous fermons des portes au fur et à mesure et à nous de savoir lesquelles fermer pour rester efficace par la suite. Ouais, c'est clair. Moi j'aime beaucoup la 7, celle qu'on a Ah oui, faite au précédent live, et je l'aime bien, et j'aime bien la 2 aussi. En fait, c'est vrai qu'on a un peu les mêmes préférés. Je pense que je les aime vraiment toutes, mais j'aime un peu moins la 6. Et la 8, bah moi j'ai un peu plus de mal. Donc moi, j'aime bien. Je trouve qu'elle est super originale, comme je te disais. ouais. Puis c'est un peu la réponse à tous ceux qui disaient qu'il n'y avait pas d'interaction Bah dans Welcome. Là, on est quand même dans la meilleure réponse qui pouvait être. Même si je trouve que quand même, ils l'ont déjà énormément accentué avec toutes les dynamiques de course dans les autres feuilles. Mais non, je la trouve super originale, bien trouvée. Il n'y en a pas beaucoup, franchement, que j'aime moins. Il y a la 4, que je trouve peut-être un peu trop classique. la Et 4, c'est avec Amine. attends, c'est laquelle? C'est la mine où tu Ah débloques oui, les moi j'aime différentes. bien celle-là, moi. C'est vrai que c'est plus classique, je suis d'accord. C'est voilà, c'est juste parce qu'elle est un peu plus classique. Et puis après, la 6, le virus, mais parce que voilà, elle m'embête beaucoup, je pense. Comme je te disais avant qu'on commence, comme j'avais commencé à jouer sur un proto, il n'y avait pas encore toutes les superbes vidéos règles faites en ligne. Et sur la 6, je pense que j'ai dû me mettre à jouer correctement au bout de la troisième ou quatrième fois. Et je me rajoutais beaucoup de contraintes. Ça contaminait partout, systématiquement, sans raison. Et je me disais, mais c'est super dur, c'est super dur. Et je pense qu'elle m'a traumatisée, en fait. C'est vrai qu'elle peut traumatiser, je suis d'accord. C'est vraiment, elle a du potentiel. En plus d'avoir un thème traumatisant pour le coup, Oui, hein, on est parler tous du virus. marqués par ça, je crois. Voilà. Alors toi-même d'ailleurs qui es courageux ce soir, puisque tu aurais pu à quelques jours près ne pas être là. Et parce que j'ai le Covid actuellement, mais je suis sur la fin. Mon isolement prend fin vendredi matin. Et là, ça va mieux depuis 2 jours. Mais ce week-end, je n'étais pas sûre finalement de pouvoir honorer cet engagement. C'était pas la forme, hein. Voilà. J'étais dans les sous-sols de la Lune, là, avec le virus, à me dire est-ce que je C'est sors ça. ou pas. Bon, en tout cas, je suis contente que tu puisses être là et que tu sois à peu près en forme, Oui. surtout. Là, ça va. Bon, je suis encore fatiguée, mais j'ai fait 3 heures et demie de sieste aujourd'hui, donc je Ah suis oui, disponible. d'accord. On va essayer de pas traîner trop ce soir, promis. Ça va. T'inquiète.
Alors, sur le chat, il n'y a personne qui parle, donc je ne sais pas si vous êtes des habitués. Si vous êtes des habitués, d'habitude, vous parlez, donc peut-être non. En tout cas, bonsoir à tout le monde, à ceux qui sont là, et n'hésitez pas à papoter avec nous. On va, du coup, on va expliquer un petit peu Welcome to the Moon, parler des règles de cette aventure 8, et puis ensuite, bah, si vous êtes motivé pour participer et en tout cas contribuer à l'évolution de la partie, vous pourrez essayer de. Enfin, vous pourrez participer au choix des missions que l'on va avoir pour cette partie. C'est chouette, c'est eux qui vont choisir Eh ben comment on oui. va pouvoir les torturer. Ouais, c'est ça. Et Alain propose un scoop pour encourager Anaïk. J'ai Un pas scoop? compris, Alain. Tu proposes un scoop? Ou tu veux dire, tu vas nous donner un scoop? Ah mais donne-nous des scoops, Alain. Ah, moi je veux bien aussi, hein. Je vais tout donner dans cette partie, quoi qu'il en soit, mais si tu as un scoop, vas-y, donne-le. Ça fera peut-être parler des gens. C'est fou, y a pas de bavard ce soir. D'ailleurs, je me demandais si la qualité, tu veux nous dire peut-être Alain, est suffisante au niveau de l'image. Et sinon, eh bien, j'essaierai de résoudre ça pour la prochaine fois. Alors, il répond oui, un scoop à nous donner. Eh bien, on t'écoute, Alain. Oui. Nous sommes toutes oui. Et en attendant que tu nous donnes le scoop, donc je rappelle que nous sommes à la fin des aventures de Welcome to the Moon, donc des 8 aventures, et que donc précédemment on a essayé de s'échapper de la Lune, qui n'était plus très accueillante avec ses virus, qui nous a mis un petit peu dehors. Donc maintenant que nous avons réussi à fuir de cette lune, nous allons nous affronter. Donc le petit pitch, nous n'avons repéré que deux systèmes de planètes habitables, les systèmes jumeaux Neo-Solaris 1 et 2. La colonisation est donc lancée, mais les ressources sur ces planètes sont trop rares pour l'ensemble des colons. L'affrontement est inévitable. Nous comptons sur vous pour occuper le terrain et prendre le contrôle d'un maximum de planètes et de ressources. La compétition avec vos plus proches adversaires sera violente. Donc on va castagner, hein? Et laisser mourir l'autre dans l'espace. Voilà, il n'y en a que un qui va survivre, qui va rester planté là. Et puis ben, donc là, vous allez voir, donc on joue sur deux feuilles simultanément, enfin tour après tour. Donc quand on joue à deux, on a chacun notre feuille. Et je suis en même temps les commentaires d'Alain, mais je vais regarder après. Donc on va jouer sur, bah, par exemple, moi je vais jouer, donc vous à l'écran, vous allez voir en fait comme si vous étiez de mon côté, on va dire. Donc moi je vais commencer à gauche, sur la feuille là. Et Anaïk va commencer sur la feuille de droite. Et ensuite, on échangera à chaque tour. Voilà comment ça va se passer. Ah, coucou Chiara. Quelqu'un qui parle. Chiara qui est une habituée. Je me demandais où t'étais. C'est bien, ils reviennent. Alors, Alain dit qu'on a. J'ai un souci technique, 2 secondes. D'accord. Fort bien. Ah, mais ça, c'est parce qu'il veut ménager son suspense avec son scoop. Il nous met un lien. Voilà. Moi, voilà, je suis en Alors. full screen sur tabletop, donc C'est j'ai une peut-être manqué. feuille. Oh, c'est une feuille de welcome. C'est Attends, une feuille d'une extension. Ah, trop bien. c'est quoi? C'est une Je vais extension en mode on va à la playa. trop bien. Je ne saurais en dire plus. C'est très joli en tout cas. Ça fait très Vaiana. J'ai essayé de mettre ce Twitch sur mon téléphone pour avoir accès au lien. Magnifique. C'est chouette. C'est chouette et c'est une extension officielle qui va sortir? Eh ben, je Ah, suppose. c'est bon, on m'apporte un écran.
Oh, c'est trop Ouais, beau! J'adore! Oh, super sympa! Et ça va être du coup un nouveau, dans un nouvel ensemble d'extensions, un nouveau lot de deux, ou c'est en plein play, Anna? moi je crois que c'est un autre grand projet dont on a déjà parlé. C'est le projet Big Box. Ils vont faire donc le projet est de rassembler toutes les extensions et d'en rajouter. Donc du coup, je n'avais pas vu personnellement le visuel, donc je suis ravie de le voir ce soir avec vous. De rajouter des extensions, une ou des extensions, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, et donc de proposer à la vente cette big box welcome. Et c'est super cool parce que déjà, il y en a quand même énormément sur le premier Oui. Welcome. Moi, j'ai en tête 7 feuilles en plus, quelque chose comme ça, 8 même, avec les spéciales. Bah, il y en a Je sais pas, 6 les spéciales. déjà officielles. Je vois les 6 qui étaient vendues, mais il y en a eu Il y a la une petite spéciale. mort. Il y a eu la Daniel Radcliffe. Oui, il y a eu le les canards Oui. qui étaient trop rigolos. Mignon. Et je crois que c'est tout. Alors Alain nous dit que la rethématisation de Welcome to la petite mort pour Welcome édition collector. Ah, ça c'est leur rethématisation. D'accord. D'accord. OK. Alors attends, j'ai pas. Mais la OK. petite mort, c'est avec des couleurs. Oui. C'est pas. Ça me fait pas penser à la petite mort, c'est marrant du coup. Elle était très chouette, celle de la Ouais. petite mort aussi. Franchement, voilà, en plus avec un humour noir bien réussi qui correspond bien à l'univers de la petite mort, c'était très drôle. J'ai adoré noyer les gens dans la piscine. Ça m'a rappelé les heures des Sims où je tuais tous les gens de manière diverses et variées. Je crois qu'on n'a pas, on a. Je crois que le lien que nous avons eu n'était pas celui que nous devions voir. Alain indique donc on a donc il y a dans la Big Box il y aura le tout Welcome plus une toute nouvelle extension plus des nouvelles cartes mission et donc des rethématisations de la feuille de base par de nouveaux illustrateurs et illustratrices. D'accord. Et donc là, c'est ce qu'il nous a envoyé, c'est la rethématisation de Maud. Ok. Voilà. Ah, c'est super chouette comme idée. Si chaque illustrateur peut apporter un peu de son univers dans Welcome. Et Même donc, si moi nous avons un autre j'adore lien. le travail. Si jamais tu veux voir, c'est un welcome aux USA. D'accord. Enfin, c'est déjà aux USA, tu me diras, mais. Oui. Oui, c'est vrai que là, du coup, ça ressemble plus. Les maisons ont des petites couleurs. Les toits ont des maisons avec des couleurs différentes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir me remontrer son écran, du coup, pour le lire. J'ai un assistant de l'autre côté. Merci, assistant. Ah, c'est chouette. C'est chouette, sympa. Ouais, très Ça sympa. fait fête de l'indépendance américaine. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Bon, alors il nous a distrait, Alain. Non, mais en même temps, c'est une super Mais boîte, je trouve. super, super info. Voilà, grosse boîte avec tout dedans, c'est cool. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai assez hâte. C'est pour quand, alors, Alain, cette sortie? Dis-nous tout. Comme tu es là. Et après, on joue. Alors, ça c'est de Anne. Ah, on va avoir un autre lien. Ah non, pardon, ça c'est de Anne, c'est la rethématisation de la petite mort. Que Anne. Alors, j'ai toujours du Celle qu'on mal vient à Aitzik. Ah oui, la prononciation est un peu laborieuse. Voilà, j'ai toujours peur Etsy. de faire des bêtises quand je prononce, mais on va dire Mais Aitik. en tout cas, Anne fait un travail exceptionnel, donc ça peut peut-être rattraper le fait qu'on dise mal son nom.
Désolée, Anne. Alors, c'est pour 2023. Ok. Donc, très bientôt, en fait. On est au mois de juin. Oui. Fort bien, fort bien. Mais tu ne nous perturbes pas, Alain, t'inquiète pas. Je disais ça pour plaisanter. Ah non, et en plus, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Mais oui, des scoops, c'est trop bien. On en veut, on en veut, on en veut encore et encore. Tu veux nous faire tout le planning des prochaines publications Low Cocker? Vas-y, on écoute. Anne illustrera la nouvelle extension aussi. Ah bah, trop bien. Chouette. Elle est au taquet. Elle en a pas marre de Welcome, Anne. Je croyais qu'elle avait été traumatisée Ouais, par Welcome to moi the aussi, Moon. je croyais. Je pensais qu'elle ferait plus grand-chose. Mais franchement, il y a de quoi être traumatisée, hein, parce que là aussi, elle a fait un boulot monstre. Et puis, au niveau iconographie, par exemple, la dernière, ça a dû être l'horreur à concevoir pour avoir toutes les informations sur cette feuille. Elle en a marre, si. Apparemment. Ah, Ma et Caral, bientôt. Ah, Ma. Medieval Academy. Medieval Academy, c'est ça. Je l'avais vu passer sur une table aux Figes de loin. Et Caral, je ne sais pas ce que c'est. Non, moi non plus. Tu as le droit de nous en dire plus si tu veux. Alors, je vais expliquer les règles quand même pour les gens qui sont là qui ont envie de nous voir jouer. Alors, donc sur cette feuille, on ne va pas écrire des chiffres. On va en fait choisir un symbole chacune. Donc, ça peut être chez vous ce que vous voulez en fait, hein. Ça peut être des ronds, des triangles, des carrés, des croix. Alors, les croix, c'est un peu. Un peu perturbant peut-être parce que du coup, dans notre tête, on peut un peu se mélanger avec les croix qu'on peut faire dans le cadre des plannings, sauf que là, bon, bah, on va pas en faire, donc ça ne pose pas de soucis si vous voulez. Donc, vous voyez que sur cette feuille, on a différentes planètes. Donc, on a 7 planètes en tout, deux couleurs différentes, 3 vertes, 2 grises et 2 bleues. Et donc, sur chaque planète, on a une petite case entourée de rouge qui va être celle par laquelle on va commencer par inscrire nos symboles. Donc, les chiffres, vous voyez qu'il y en a quand même, on va quand même les utiliser avec les cartes actions. Donc, un chiffre, une action comme d'habitude, sauf que les chiffres, en fait, vont nous diriger vers une planète en particulier ou plusieurs planètes sur laquelle on va pouvoir inscrire nos chiffres, nos symboles, pardon. Donc, par exemple, vous voyez que sur la planète en bas à gauche, la verte, c'est écrit juste à côté que ça va concerner, on va pouvoir inscrire nos symboles avec des chiffres qui vont de 1 à 3. Donc, enfin, de 0 à 3 même, puisque donc c'est inférieur à 1, 2 et 3. Et donc sur chaque planète, ben, on a l'indication des chiffres qu'on peut écrire. Donc la petite grise au-dessus, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, etc. Donc imaginons là par exemple, je choisis mon 3 énergie. Je vais inscrire mon symbole. Tu veux quoi comme symbole? Je me suis mis un petit rond en haut, Tu veux un si petit ça te rond, va. Alors je fais le Ouais. carré. Donc moi je vais prendre le carré. Voilà, effectivement, vous pouvez inscrire votre petit symbole dans votre vaisseau. Donc votre vaisseau qui est au milieu, en fait, il est divisé en deux parties sur chaque feuille. Donc moi je prends le carré. Donc là par exemple, imaginons, je choisis le 3 énergie, je mets mon carré sur la première case de la planète verte. Et ensuite, je vais pouvoir faire mon action. Donc les actions, elles sont plutôt simples. Donc l'action énergie, je vais commencer par ça. Ça va être une amé on va, ça va nous permettre d'améliorer une des trois colonnes qui est donc dans la partie de score après l'eau. Donc vous voyez qu'il y a une colonne par couleur de planète. Donc la première, c'est les planètes vertes, les bleues et ensuite les grises. Donc en fait, tout simplement, ça va nous permettre de marquer plus de points, petit à petit, par planète contrôlée. Parce que je n'ai pas parlé des planètes contrôlées pour le moment. Alors en fait, pour contrôler une planète, puisque ça va être ça le but, malgré tout, ça va être aussi de contrôler des planètes.
pour pouvoir être celui qui sera le survivant, puisque nous ne pouvons pas survivre toutes les deux. On va devoir contrôler des planètes, par exemple. Et donc, pour contrôler une planète, il faut avoir un nombre majoritaire de son symbole dessus, de représenter. Donc là, par exemple, imaginons j'ai un carré, mais Anaïk a deux ronds sur cette planète. C'est elle qui va contrôler la planète en question, et on pourra inscrire un petit rond dans le petit drapeau qui est sur la planète. Il y avait déjà un rond, d'ailleurs. Donc là, c'est Anaïk qui contrôle cette planète. Même chose pour les autres, hein, c'est exactement le même fonctionnement. Donc là, si par exemple à la fin de la partie, je suis dans cette position, donc j'ai une seule planète, ce qui n'est pas possible a priori, mais bon, je ne contrôle qu'une planète, je vais regarder quelle planète je contrôle, donc là c'est une verte, je vais pouvoir écrire, voilà, en l'occurrence, on va changer, on va mettre deux carrés. Donc là, je contrôle la verte, j'ai x1 dans la colonne des planètes vertes, et actuellement, je marque seulement 2 points avec cette planète contrôlée. Si j'ai 3 planètes vertes, eh ben, j'ai x3 ici, et donc 6 points. Et donc petit à petit, bah, si j'améliore la colonne verte, je vais marquer de plus en plus de points. Ça, c'est assez classique. Donc même fonctionnement pour les autres couleurs. Ensuite, donc on a aussi l'action, comme d'habitude, plante et eau. Donc quand je fais une action plante, et ben voilà, quand je vais inscrire mon symbole dans ma planète, donc là par exemple, imaginons c'est un 3 plante, je mets mon symbole dans la case qui suit et je vais cocher une plante en bas. Je marque des points comme ça. Sauf que en plus de marquer des. Donc d'utiliser une action plante, je vais aussi pouvoir gagner des plantes d'autres manières. Donc vous voyez qu'il y a aussi. Alors je reviens sur ce que je viens de dire parce que j'ai dit une bêtise. Quand on veut utiliser l'action plante, il faut avoir une plante 2 disponible sur la planète. Juste à côté, vous voyez qu'il y a des petits dessins, des symboles dans des cases, qui sont les actions disponibles pour obtenir la permission de cocher des cases, quoi, on va dire. Donc si par exemple la plante était déjà utilisée auparavant, je peux toujours bien sûr inscrire mon symbole dans la case, mais je ne pourrais pas cocher de plante en bas pour gagner des points. Donc il faut avoir les symboles disponibles sur la planète sur laquelle vous inscrivez votre symbole. Donc même chose pour l'eau, c'est exactement pareil. Et donc ce que je voulais dire juste avant, c'est que dans les cases, il y a parfois des petits bonus qui sont dessinés donc à l'intérieur. Alors j'espère que vous voyez bien, chez moi c'est un peu blanc, mais on va faire comme ça quand même. Alors donc par exemple sur la planète verte, toujours la même, la troisième case contient une plante en plus. Donc j'inscris mon 3, imaginons, je sais pas, c'était un 3O, imaginons. J'utilise l'eau qui est disponible, je coche en bas. Et en plus, dans cette case-là, j'ai un petit dessin de plante. Donc je vais pouvoir cocher une case plante en bas également. Donc là, je coche deux cases pour cette action. Vous me dites si c'est pas bien clair, bien sûr, sur le chat, si vous êtes là. Je sais pas. Il y a Chiara, en tout cas. On n'est pas tout seul. Donc, on va passer à l'action robot. L'action robot va nous permettre d'exploiter le champ d'astéroïdes. Donc, le champ d'astéroïdes, c'est ce qui flotte un petit peu sur le côté de nos feuilles. Donc les petits robots vont nous permettre de poser des symboles aussi dans ces cases. Donc là, encore une fois, ben, on va poser notre chiffre, enfin on va poser notre symbole quelque part sur une des planètes et on va pouvoir eh ben, cocher une case, enfin mettre notre symbole sur un des astéroïdes. Je ne sais pas comment dire autrement. Ça, c'est très bien comme ça.
Donc on va cocher et puis vous voyez que au fur et à mesure, donc on commence toujours par le bas, hein, là de la ligne, et ensuite petit à petit on va aller vers le milieu puis remonter vers notre adversaire qui va lui aussi avancer de son côté. Et donc bah, petit à petit on va avoir des bonus qui vont apparaître sur les cases. Donc la première par exemple là elle est vide, il n'y a pas de bonus particulier. Mais à partir de la deuxième on va avoir une plante, puis une eau, puis une plante, puis deux bonus consécutifs, donc une énergie de l'eau, etc. Voilà pour l'action robot. Action énergie, on en a parlé. Il reste le planning. Alors le planning va nous permettre, en plus de notre symbole posé d'office avec le chiffre qu'on a choisi, on va aussi pouvoir rajouter un symbole quelque part, supplémentaire, mais pas sur la planète, sur la Lune. Vous voyez que à côté de chaque petite planète, il y a une petite Lune avec deux cases. Et donc sur ces deux cases, c'est là qu'on va pouvoir inscrire notre symbole quand on utilise donc le planning et qui permet en fait de rajouter au total des 3, 4, 5, 6 cases de la planète un symbole supplémentaire de notre côté. Donc si par exemple vous voyez que vous êtes un peu à égalité avec votre adversaire sur la planète en question, et bah, vous allez rajouter un symbole dans la Lune, comme ça bah, vous avez une chance de plus de la contrôler. Par contre, comme très habituellement, on va cocher une case dans la feuille, dans la partie du bas, qui nous inflige des pénalités. Nous avons également les astronautes, qui, comme d'habitude aussi, nous permettent de changer la valeur de la carte chiffre, enfin un nombre, on va dire. Donc la valeur de la carte. Plus ou moins 1, plus ou moins 2, ou on peut la laisser identique. Et donc si on utilise l'action astronaute, on va pouvoir entourer dans un premier temps les petits symboles qui sont en bas, ce qui va signifier que dans un prochain tour, on pourra utiliser donc cette espèce de petit joker pour alors attendez, j'ai un doute, pour réutiliser l'astronaute, je crois. Oui, c'est ça en fait. C'est Ouais. pour avoir à nouveau le pouvoir de moduler notre Oui, chiffre c'est à ça. la hausse ou à la baisse. C'est ça. Donc ça nous permet à nouveau dans un prochain tour de modifier la valeur. Et si on fait cette modification de valeur dans un prochain tour, on noircit cette fois notre case astronaute. Voilà. Donc toujours pareil, si on ne peut rien inscrire sur les planètes, on a des erreurs système. Donc là, c'est au bout de deux erreurs système que ça clôt la partie. Que dire d'autre? À la fin de la partie, on va additionner les points de la première feuille et de la deuxième feuille. Hein. Les deux feuilles comptent, autant l'une que l'autre. Et c'est sur la feuille de gauche que l'on va inscrire nos points de mission. Donc les missions dont on va parler juste après. Mais je regarde si vous avez des questions. Non, Kiara, juste peur de s'endormir, je crois. Ah oui, d'accord. Alors, super intéressante pour la garder avec nous. Non, elle est fatiguée, Kiara. Elle m'a envoyé un message. C'est une copine, mais effectivement, elle va pas jouer avec nous. Il faudra crier de temps en temps pour réveiller Kiara. Non, alors on va pas crier. J'aime bien ma copine. Risque d'être un petit peu violent et un peu bizarre pour le replay, quand même, s'il y a des cris Ouais, c'est de ça. crier qui sortent. Alors, les gens effectivement qui nous regarderaient, comme le disait Alain, si vous voulez jouer avec nous, vous pouvez faire comme si vous étiez entre moi et Anaïk. Mais du coup, ça vous oblige à reporter effectivement ce qu'on choisit à chaque fois. Donc, il faudrait avoir les trois feuilles, ce qui est peut-être un peu compliqué. Mais bon, c'est peut-être faisable. Vous nous direz si vous essayez surtout. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que j'ai loupées? Non, je crois pas. Reste les missions Oui, après à c'est ça. déterminer. Alors, peut-être que Kiara, tu vas pouvoir voter. Donc, on en était au chapitre 27 la dernière fois. Donc, on avait sauvé l'humanité. Et une fois de l'autre côté, les honneurs nous attendaient. On était très forts. C'est pas moi qui avais été très forte, mais ça avait très bien marché pour le précédent invité.
Donc là, nous avons la direction du chapitre 129. Donc il n'y a jamais trop de spoil, hein, vous inquiétez pas, puisque c'est la campagne d'initiation. Il n'y a pas de découverte Oui, c'est plus spécifique. de la mise en ambiance C'est ça. du texte. Ouais. Alors, message radio automatique de la nouvelle aube, capté par le vaisseau principal. La manipulation de l'alliance humaine doit s'arrêter et elle s'arrêtera. Aujourd'hui est une nouvelle aube. Nous ne les laisserons pas faire. Camarades, rejoignez-nous. Nous avons pris le contrôle d'une grande partie de leur flotte. Le combat final est devant nous. Choisissez le camp de la liberté et de la vérité. Nouvelle aube. Je ne vais pas vous mentir, nous nous connaissons depuis trop longtemps pour ça. Ces deux systèmes de planètes sont notre dernier espoir. Les sondes n'ont trouvé aucun autre endroit habitable pour l'espèce humaine. Et maintenant, voilà que ces rebelles veulent compromettre notre avenir. Que pouvons-nous y faire? Je ne sais pas trop. Alors, nous avons deux options. Toutes les planètes doivent passer sous notre contrôle, quel qu'en soit le prix. Donc, on va dire la mission A. Et je serai juste et équitable, la mission B. Que choisissez-vous, Chiara et Alain? Et d'autres personnes. Il y a 7 spectateurs. Bon, je pense que j'en fais un artificiellement pour suivre le chat. Donc, Oui, bah moi aussi. bon, bah, les quelques personnes qui sont là. Alors, le B pour Chiara. Est-ce que tu as une idée de ce que tu vous préférerais, Non, parce que je ne sais plus du tout à quoi Anaïk? ça correspond. Très honnêtement, là, la campagne d'initiation, elle est loin. Oui. Elle est loin, elle est loin. Donc, c'est bien, ça va faire la surprise. Donc c'est soit toutes les planètes doivent passer sous notre contrôle, quel qu'en soit le prix, soit je serai juste et équitable. Non, mais la justice, c'est bien. On va pas quand même être trop belliqueuse tout de Ah, suite. il y a Mopoyo qui nous dit la A. Blue Cocker, alors c'est Alain donc, A aussi. On En fait, s'ils a veulent, on se tape dessus, un... violemment. Ils ont envie qu'on se castagne. Et d'ailleurs, Mais bienvenue, hein, donc Mopoyou. J'ai un petit bug sur. Ah non, c'est reparti. Sur la vidéo du live. J'espère que ça va chez vous, que ça ne coupe pas. Alors, est-ce qu'on part sur le A du coup? bah, c'est la majorité pour Ouais. l'instant. Battons-nous jusqu'à la mort. Donc toutes les planètes doivent passer sous notre contrôle, quel qu'en soit le prix. Voilà notre direction pour cet affrontement. J'aurais pas choisi ça, moi. Hein. Vous êtes pas très gentils. Pas très humain, pas très idéaliste. Alors, donc, je n'ai qu'une mission, la sauvegarde de l'humanité. Suivez-moi ou écartez-vous de mon chemin. Moi, oh, ça fait un peu très diabolique. C'est ça. Alors, est-ce qu'on a les bons objectifs? Juste un. Donc le premier, alors ça va bouger un peu chez vous, je le dis à chaque fois, mais je vous préviens. Et après je reviens, je vais mettre les bons objectifs qu'il faut. Hop, je dézoome. Donc, ceci, ça s'en va. Et ceci également. Touk. Ah, en effet, c'est domination. Domination, domination, là, avec ses objectifs. Alors, est-ce qu'on est bien? Pas trop mal. Ça n'a presque pas bougé. Incroyable. Alors, donc, les objectifs. Parlons-en. On va s'attaquer aux planètes. Hein. Donc, le premier objectif, la mission A, ça va être de contrôler quatre planètes sur la même feuille. La mission B, ça va être de, avec les robots, inscrire notre insigne sur sept astéroïdes de la même feuille. Et la C, grâce aux actions planning, inscrivez votre insigne sur quatre lunes différentes sur la même feuille. J'aime pas du tout les plannings. Pourquoi? Pourquoi avez-vous choisi cela? Je m'interroge. Bon, après, si on fait des astéroïdes, on a deux plannings offerts sans avoir de malus normalement à un moment. Au milieu, c'est ça. Alors, j'enlève nos petits dessins. On a dit que je Mais commençais à d'accord. gauche. Oui. Je fais pas trop de planning moi non plus. C'est des points négatifs psychologiquement, ça me bloque un peu. J'aime pas ça. Oui, pareil.
Alors ça. Pourquoi je suis encore à 3? Ah bah oui, parce que j'ai écrit 3. Je crois qu'on est bon. Avez-vous des questions sur le chat? Ah, quelle maîtrise sur le setup. Merci Alain, ça me fait plaisir. Non, mais on sent l'expérience, c'est magnifique. Ça y est, maintenant j'essaye de plus trop faire avoir le tournis aux gens. Ça fait combien de campagnes, entre Là, c'est guillemets, la encore deuxième qu'on finit. Ok. Et sachant qu'avant, on faisait parfois deux aventures dans une soirée. La première D'accord. campagne, c'était ça. Mais c'était trop long. on courait, et puis en plus, du coup, les gens, ils avaient pas, ils étaient trop fatigués pour rester pour le papotage à la fin. Donc, il restait plus grand monde. Et puis voilà, maintenant, il n'y a plus personne. Voilà. J'ai perdu tout le monde. Où sont-ils Mais passés? oui, il y C'est avait moi des qui gens étais qui fière, peut-être. venaient beaucoup plus, mais bon, peut-être il faut que j'améliore des trucs, je sais pas. Je vais y réfléchir cet été. Ouais. En tout cas, on va pouvoir commencer à jouer. Parfait pour moi. sur le chat, est-ce qu'il y en a qui jouent? Parce que peut-être que c'est pas la peine que je mette les tirages à chaque fois. Je le fais d'habitude, mais s'il n'y a pas forcément besoin, je vais laisser comme ça et on va jouer. Donc n'hésitez pas à dire. Kiara n'a pas de questions. Nickel. Mais Kiara, toi, tu sais jouer. Mopoyou, n'hésite pas à nous. Je sais pas si je prononce bien d'ailleurs hein, ton pseudo, donc n'hésite pas à mettre la phonétique si jamais je prononce n'importe comment. Et si tu joues avec nous, ou si tu joues de ton côté, n'hésite pas à le dire aussi. Les tirages, ça peut permettre de se repérer dans la partie si jamais on a, je sais pas, on va pas assez vite, ou au contraire, nous, on va trop vite par rapport à vous. Du coup, vous avez les tirages qui sont écrits. Voilà, j'arrête de parler. donc, on a pour commencer un 3 énergie, un 13 énergie et un 3 astronaute. Ok, donc tu Je commences à commence à gauche. gauche, tout à fait. Ça marche. Donc on a dit que c'était plutôt les contrôles de planètes, les astéroïdes et les lunes. Je pense Ah qu'on oui, fait mais la alors même attends, chose. il faut que tu coches en haut, toi. Ah oui, mince, oui. Moi, En effet, je me trompe. Je te donne des points. je veux bien, hein, mais sinon, ça va être. Non, c'est bon. Il faut juste que Oui, j'arrive je suis à désolée, du coup, t'es faire à mieux. l'envers. Si tu veux, tu retournes, hein, Pas toi. tout. Oui, non, mais ça va. Faut juste prendre le. Non, c'est Parce que pas très compliqué de je lire. donne les tirages à l'oral, donc peut-être que ça te. C'est peut-être plus Non, simple. non, c'est bon, Non, t'inquiète. ok. Pas de problème. Ok. Donc bon, on a fait la même chose, on s'est installé sur la petite verte du Oui, haut. on a fait tout pareil. Donc là, on Et change c'est de ça. feuille. Et donc on a un et un 13 planning et un 4 haut. Et tu nous as mis un petit rond, dis donc, dans le drapeau là. Hey. Dans quel C'est bon, j'ai drapeau? enlevé. C'était sur Ah. la feuille de gauche, dans la lune, dans la planète Ah. verte en haut. Je commence à Moi, m'installer. J'ai ouais, cru je qu'on vois, je vois. allait avoir des planètes. Alors moi j'ai fait un petit 4 haut. Ah, d'ailleurs que non, Bah pas non, du pas tout. là. J'ai pas mis. Oui. C'est trop petit, il faut que je zoome en fait. Ah, vas-y, un zoom, hein, tu peux, hein. Moi, ça Ah. change rien chez moi. Marche, mais sur la petite planète grise. Je sais pas, je me demande s'il faut pas faire des plannings. J'ai du beaucoup de mal avec cette feuille parce que l'eau, j'arrive pas à la laisser passer d'habitude. Et si je fais exactement pareil que toi, c'est pas forcément le but. À un moment, de toute façon, on va Ouais. forcément prendre des routes différentes. Allez, je mets un 13. 13 planning. Donc, je coche là. Et on est d'accord que le planning, je rajoute un symbole où je veux.
Oui, je crois que c'est pas forcément sur la planète que tu viens d'utiliser. Ah Il oui. me semble que c'est. Sur la lune de votre choix, tout à fait. Eh ben, sur quoi je fais? Sur celle-là? Non, pas sur celle-là. Je vais me mettre là où t'as écrit tout à Ah, l'heure. tu viens m'embêter. Oui. Hop. À tout à l'heure, Alain, qui reviendra pour le papotage. Et Qui bah, essaye de celle-là. revenir tout à l'heure. Alors, 6 robots, 7 hauts et 7 planning. Donc, à gauche pour moi. Alors, changement de côté, Oui, c'est ça juste qu'il pour faut. un peu la dynamique. Toi, tu t'es mis là. Je suis partie sur le robot, moi. Moi aussi. Moi Ah aussi, oui. tu l'as mis. Je l'ai mis sur la Ah, planète tu l'as pas Bubu. mis sur la même, par contre. Moi, je l'ai mis sur la grise, moi. Comme ça, j'ai eu le bonus de plante. Et toi, tu as pris le bonus d'eau de la grise aussi, de la Ah, petite bah grise. oui. J'ai pas pris le bonus d'eau, moi. Il y avait un Ah, bonus? mais non, ça peut être bonus. Alors, pourquoi il y a... Pourquoi y a... Ah non, c'était moi qui avais mis... Pardon, je vois ma marque du tour Ah précédent. oui. Autant pour C'est moi. pas forcément très judicieux mon truc. Bon, tant pis, j'ai joué. J'ai pas vu. Ah, ouais, tant pis. Alors, 6 astronautes, 5 robots et 10 hauts. Donc, je joue à droite. J'ai pris le 10 haut. Ouais, je vais faire pareil. Je sais pas. Soit ça, soit le robot. C'est sur une feuille, on dit les astéroïdes. Bon, c'est peut-être pas judicieux. Alors, 10 haut, moi aussi. Ok, c'est bon. Alors, 7 planning, 10 plantes et 14 énergie. Et je joue à gauche. Je vais le Oui. répéter à chaque fois parce que sinon je vais pas. Oui, non, mais c'est très bien parce que moi-même je peux m'embrouiller. Hein. Prendre un petit 10 plantes, moi. Ça fait mal hein, quand même, 4 plannings sur une feuille. Ça fait moins 10. Non, moins 15. T'as intérêt de. Ah, je pense qu'il faut l'avoir avec le bonus robot parce que ça limite quand même la casse. Mais je sais pas trop si ça vaut le coup, sauf si ça te permet vraiment de gagner des majorités en termes de planètes, si elles sont très disputées. Et dans ce cas-là, il faut valoriser aussi, à mon avis, à fond les planètes sur la même feuille. Ouais, tu vois là j'ai mal joué parce qu'en fait j'ai commencé les robots sur une et les plannings sur l'autre. Je vais peut-être faire les robots sur l'autre après, je pense. Donc là, moi, j'ai fait le 10 plantes. Moi j'ai pas joué encore. Ok. J'ai Par fait contre, 10 t'as pas mis plantes. la bonne plante. T'as mis la Oh, planète. n'importe quoi. Merci. Merci, merci. Bah, disons que le potentiel de points en plante peut monter quand même plus haut. Oui. Oui, puis j'ai vu le vert, je me suis dit c'est là, maintenant. Alors, 12 énergies, 8 planning et 10 robots. Et tu joues à droite. Et je joue à droite. Tout à fait.
robots. Je vais faire ça. Ou le planning. 10 robots. J'hésite. Ça m'embête de prendre ça. Allez, je prends le 8 planning. Ok. Ah ben oui, la plante que j'ai laissée bêtement tout à l'heure. Et du coup, bon, je me dis tant qu'il y a le bonus Bah ben là, oui, t'as raison. autant l'avoir. Et maintenant, où est-ce que tu me mets? Sur quelle lune s'installer? On va aller s'installer sur la petite là-haut, hein, je pense. Hop. T'étais trop toute seule là. Moi j'ai mis le 10 robots. Ok. Alors, 10 planning, 6 plantes et 7 robots. Et je joue à gauche. Allez, ce sera 6 plantes pour moi. Pareil. Ah. Je fais pas exprès, hein, promis. Ah. 6 plantes. Alors, 8 hauts, 3 robots et 6 plantes à nouveau. Et je joue à droite. Mince. Le 8, est-ce qu'il est bien le 8? C'est bien ça. Le 6. Allez, ce sera un 8 haut pour moi. Moi aussi. Ah. Oui, j'ai mis le Ah, 8 c'est sur la tentant, grille. surtout quand c'est la feuille sur laquelle tu as commencé l'eau, où ça peut vite monter. Ouais. Je vais essayer de pas me mélanger les Y a pinceaux. Chiara, j'ai l'impression de regarder le tennis. C'est vrai que c'est un peu ça avec les échanges de feuilles à chaque fois. C'est vrai. Tu regardes Roland Garros, Chiara? Moi, je regarde pas Alors. de tennis, donc. 8 et 5 astronautes et 2 énergie. Et je joue à gauche. Le 2, il est bien le 2. Oui, c'est ce que je me dis. Ou l'astronaute, je sais pas. Le 2, c'est bien. Est-ce que je touche ça? Pas sûr. Allez. T'as pu cocher une plante? J'ai pu cocher une plante, non? Ah non, j'ai cru que t'avais mis une case plante. Non, j'ai hésité. Au début, j'avais valorisé la planète verte et finalement, je suis partie sur la bleue. Parce que tu es un peu en avance sur la deuxième verte, même sur la troisième, donc ça sert à rien de mettre tous ses œufs dans le même panier. Toi, tu as J'ai valorisé bien amélioré les la vertes. verte, mais bon, sans grande conviction, je dois dire. On est un peu à égalité. On a égalité sur une, je suis un tout petit peu en avance sur une autre. Bon. C'est ça. J'aurais pu valoriser la bleue, j'ai hésité. Oui. Oh, que des robots. 14, 11, 12. Ah ben c'est pas mal ça. Hop. Allez, je vais prendre le 14. Moi aussi, 14. 14 qui me fait une petite plante. Oui. Bonus. C'est ça, et puis toi, t'es bien avancé sur la dernière. La petite planète verte, Ouais. c'est pas mal parti. Ok. Alors, 9 plantes, 4 et 1 énergie. Et joue à gauche.
Ah, ben c'est pas mal Très très ça. Oui. Ah, quoique la 1, ça me permet de finir ça, d'être sûr de la voir. Ah, je sais pas. Il y a deux. bien. Moi, je vais prendre le 1. Comme ça, j'ai la planète verte. Ouais. J'étais un peu en avance, mais bon. J'hésite à finir celle-là, mais d'un autre côté, le 9, ça me permet d'avoir une plante et une eau en même temps et de revenir à égalité sur la planète verte, c'est pas mal. Allez, je vais faire ça quand même. Donc là, j'ai fait un plante et j'améliore. Une bleue aussi. Donc là, hop, j'ai une verte. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, Alors. 15 plantes, 7 astronautes et 15 énergies. Et je joue à droite. Ah. 15. Ça ferait deux plantes d'un coup. Quinze points, le 7. Non. Je vais faire le 7 en fait, je pense. 7. Ah, j'hésite, est-ce que je fais le 15 ou le 7? Ah, je vais faire le 7. Comme ça, j'ai un robot et je récupère une plante comme ça. Ah non, attends, je change. J'utilise l'astronaute, je vais le transformer en 9. Ah, pas Et du coup, bête. je vais Donc venir ça, me mettre là, tu la loin. remportes. Ouais. Bien joué. Avec une plante en bonus. Et donc, l'astronaute, j'avais coché, c'est bon. Du coup, j'ai la planète là. Ah, non. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oui, c'est bon. Tu commences à bien te positionner. Oui, mais bon, pourquoi il y a un... Ah si, c'est un carré là, je suis bête. Je me dis, pourquoi il y a un carré là? C'est moi. Je l'ai mis là tout à l'heure, dis donc. Le fameux planning, mais comme t'aimes pas le faire, t'as pas C'est l'habitude. ça. Je suis pas habituée à ce qu'il y ait des trucs dans les lunes. Ok, allez. 11 robots, 5 plantes et 10 énergies. Ah, mais c'est dommage, j'aurais pu le finir ce tour-ci. Ah, l'astronaute m'a mis dedans. Ah. Alors, on peut lancer celle-là. La 5. Et donc Il y a je pas joue à mal de choses gauche. là. Oui, je joue à gauche. 5 plantes. Allez, je vais prendre un 5 plantes parce que j'ai plein de plantes là-dessus. On va essayer d'optimiser. Je prends la plante aussi, le 5. Et je crois que c'est bon. C'est bon. Alors, 10 robots, 11 énergies et 9 plantes. Ah oui. Et je joue à droite. Bon, je prends des petits robots. Moi, je vais prendre le 9 plantes sur la grise. En même temps, les robots. 10. Tant pis, j'ai fait ça. Tant pis, tant pis. Alors, 6 astronautes, 13 plantes et 8 robots. Et je joue à gauche. Celle-là, c'est celle sur laquelle j'ai plein de plantes, donc ce serait bien d'en refaire.
Allez, je passe sur les plantes. Faut que je la grise d'ailleurs, parce qu'on va pas en laisser trop d'accessibles. Bah moi je sais pas trop. Ça me permettrait de l'avoir. Désolée, je mets du temps sur cette feuille. Allez, je fais le 6. Astronaute sur la planète bleue. Je peux changer? Vas-y. Je change, je fais le 13. Le 13 plante là-bas. C'est super dur. Oh. Voilà, j'arrête. Alors, 9 plantes, 8 astronautes et 5 robots. Allez, je joue à droite. Ah, 5 robots, c'est pas mal. 5 robots, j'aime bien. Allez. Je fais un 5 robots aussi et je prends le la petite eau. D'ailleurs, j'aurais dû les griser en fait à chaque fois. Je les ai notés, Ah mais oui. j'ai pas grisé les bonus au fur et à mesure. Ok. Alors 8 plantes, 11 planning et 9 robots. Et je joue à gauche. J'avais oublié. Huit plantes, c'est bien ça. Mais les chiffres ne m'emballent pas trop là. Ah. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas vraiment la feuille sur laquelle j'ai décidé de faire des plannings. Donc, ça m'embête. Bon, allez, on va prendre un 8 plantes, hein, puisque de toute façon, c'est ma feuille verte. J'ai fait un peu de plantes sur les 2 mois. À toi aussi. Un peu sur les deux, mais voilà, il y en a une un peu plus marquée que Ouais. l'autre. Alors, 12 plantes, 4 énergies et 2 eaux. Et je joue à droite. Ah. Comment c'est déjà quand il y a égalité sur la planète? Ah ben, je crois qu'elle est à personne. Ah, Ah oui, on quoique. met les deux, non? Je ne sais plus, là, il faudrait vérifier Je regarde. dans les règles. Il me semblait que du coup, elle était à personne, mais. Et que c'est une façon de bloquer l'autre. En fait, on met les deux symboles. D'accord. Ok. Du coup, c'est pas mal quand même, en fait. C'est un bon plan, oui, surtout pour Ouais. l'objectif. Ça peut aller avec. Alors, si je mets le 2 haut. 12. Bon, allez, Le 2 12. haut, c'est bien. Hein. De toute façon. Le 12 plantes, c'est bien aussi. Je suis partie sur le 12 plantes. Non, bah, je vais faire le 2 haut, moi. Ah ouais, comme ça, Comme ça, on j'ai la part. plante plus l'eau. Et on se la partage, puisque... Non, ça valait le coup. Hop. Et... Hein? Normalement, on peut mettre les deux, mais... Si toi, tu zoomes, peut-être tu peux... Alors, attends. Je zoome en grand. Un peu long Sur avec la le molette. drapeau, on doit pouvoir a priori. Mais. Il est petit ce drapeau en Ouais. fait. Parce que sur Ah, les super. autres, il y a les deux options. Ah. Alors.
Non, bah peut-être pas. Bah je mets pas, et puis on saura que c'est pour nous deux. Ok, ça marche. Je pense, on peut faire ça. Oui. Ok. Faut pas l'oublier quand Ouais, pour quand on fait l'objectif. l'objectif, c'est ça. Moi j'en ai un, deux, sur la feuille là. C'est ça. Moi, je suis à la traîne. Je mets pas grand-chose. Ouais, mais t'as pas mal de points, je pense. Je sais pas. Non. Je m'avance pas parce que moi, cette feuille-là, je suis dans le flou tout le temps. Moi, j'ai joué en solo et c'est vrai que c'est avec un automa. Ouais. Et des fois, l'automa fait des choses qui t'arrangent bien, on peut dire des choses. Parfois, pas du tout, mais bon. Alors, on a un 9 et un 6 plantes et un 8 énergie. Et tu joues À à... gauche. Ok. Ah, ça, c'est très bien, c'est mal du tout. J'hésite à prendre deux plantes d'un coup. C'est pas mal. Mais dans tous les cas, j'en prends deux d'un coup, en fait. C'est pas mal. Donc autant avancer les robots. À quoi? Oui, c'est ça. Je fais ça. Comme ça, j'ai une plante pour ça. Et avec le robot, j'ai une deuxième plante. Ah ouais. T'étais sur quelle planète du coup là? Sur la Ah petite oui. bleue à 5, 6, 7, avec le bonus robot qui faisait bien plaisir. Ouais, c'est pas mal. Ah, on aime bien choper les Ouais. bonus. C'est vrai que c'est sympa, ça danse sur cette feuille. Alors, on a de l'eau. 4 et 11, et puis 9 énergie. Ah, c'est bien, en plus, c'est celle sur laquelle je fais de l'eau. Et donc, je joue à droite. Bon, bah, 4 et 11. voilà. 11, il n'y a plus de place. Allez, je fais 4. Quoi que, non, attends. L'eau, elle était déjà prise, là. Je fais n'importe quoi. Ah, mais je peux le faire en 11, donc allons-y, faisons bien en 11. Et j'ai coché mon nom, je n'avais pas coché mon nom, je l'ai pas coché. Je l'avais décoché, je l'avais recoché. Je sais pas. Bon, voilà. J'espère pas avoir fait de bêtises parce que j'ai rétro-pédalé. Chiara, tu peux dire si j'ai fait des bêtises et que j'ai coché des en trop. Moi, j'ai fait l'eau sur la planète petite, la planète grise. D'accord. Ah, on est à la fin du paquet. On remélange. Tout au tout. Ok. Et on redémarre. Alors, avec un 1. Plante, 11 astronautes et 11 robots. Et je joue à gauche. Ok. Le 1, c'est fini. Ah, je peux pas 9. Le 11, 11 ou robot. 11. Ben moi, je vais faire un 11, mais un 9. Ah oui. Un astronaute. C'est vrai, il y a ça. Ça peut être un 13. Comme ça, j'ai le Je sais bonus de plante. Kira dit, j'avoue, j'ai un peu de mal à tout suivre. C'est vrai que ça doit pas être facile avec ce ping-pong. C'est pas la carte, la feuille la plus lisible, à mon avis, quand on joue pas. Non. Alors, je fais ça. 11 plantes. Oui, non, 11 robots qui me donnent une plante. Et donc je coche ça qui me donne une autre plante. Et du coup je contrôle la planète verte à gauche là. D'accord. Je suis aux fraises en termes de contrôle. C'est terrible. Bah ouais, mais je sais pas, c'est pourtant tu. Je sais, j'arrive pas du tout à analyser. Je sais pas du Non. tout. Aucune idée. 3 et 15 énergie et 12 robots.
Là, je vais prendre le 12 robot. Et donc je suis à droite, oui. Je sais pas. Le 12 Ok, robot, c'est il y a une note et une énergie. pas. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Quoi qui est particulier? Le gris. Je vais prendre l'énergie en fait. Donc 3. Mais non, pas 3. Je vais... Est-ce que tu finis ou pas? Bon, non, je vais pas finir la verte, j'ai un peu d'avance. Je me dis ça. 3 énergie. Et du coup, je vais améliorer les vertes. Allez. 7 eaux, 9 robots et 10 énergie. Et je joue à gauche. Faut que tu mettes sur la télé si c'est petit, Chiara. Je sais pas si tu mets sur la télé déjà. Mmh. 7, 9 et 10. 7, c'est bien. Je pense que je vais partir aussi sur le 7. Mais on va le mettre là pour avoir l'eau, hein. C'est bon pour moi. Oui, aussi. Alors, 12 et 6, énergie et 3 eau. Et je joue à droite. M'énerve Planning parce que pas j'aimerais bien qu'il y ait quelques plannings là, en fait. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Ouais. Il y en a un après. Alors, est-ce que je fais ça dans sa merge ou pas? 6. Là ça va pas, ça te donne la majorité. Et le 3. En fait, tous les chiffres sont pourris là pour moi. Donc allez, je vais prendre le 12, même si c'était pas très urgent. Moi, ça me donne le bonus d'eau et je finis une planète. Et du coup, on va valoriser les bleus. Hop. Moi, Et je donc. vais mettre le 3 haut que je transforme en 5 avec l'astronaute. Et du coup, je coche 2 eaux, mais tu contrôles la planète. Ok. Là-haut. Donc je te Mais mets un petit... ok. Petit rond. Bon. Ça me faisait gagner 2 eaux quand même. Oui, ça vaut C'était le pas coup. mal. De toute façon, j'étais en retard. Donc à part avec un planning, bon. Faut bien que t'en aies, hein, quand même. C'est ça. Alors, 7 plannings, 8 eaux et 7 astronautes. Et je joue à gauche. Non, pas sur la télé, Chiara, tu es avachie dans ton canapé. Eh ben, c'est bien pour se reposer. Alors, je joue à gauche, on a dit. Bon, Oh, du coup, 7 je l'aurais voulu, mais sur l'autre map. Ah, Là, moi aussi. Le 8 haut était parfait. la 7, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. C'est forcément sur cette planète. Sauf 8 haut. que mon. Ah, je vais peut-être utiliser mon. L'astronaute. Ouais, je vais utiliser mon astronaute qui est de côté. Pour en faire un 5. Et je viens ici. Et je fais un planning. Hop. Je m'installe sur la lune.
tu t'installes sur quelle lune? Sur la petite lune grise des 3, 4, 5. Ah, Bah, ok. c'est à 3. Ok. Alors, 5 énergies, 9 eaux et 8 plantes. Et je joue à droite. Non, c'est toujours pas le bon. Ah, les 8 plantes, il est pas mal. Ça me fait 2 plantes d'un coup quand même. Allez, 8 plantes. Ça m'ennuie de mettre deux planètes avec deux symboles. C'est pas grave, vas-y, fais des cadeaux. Fais-toi Non. plaisir. Puis en même temps, si je mets un 8 plantes, il n'y a plus de plantes. C'est vrai que c'est dommage, franchement, de gâcher C'est une un peu action comme ballot. ça. Oh. Bon, bah, je mets un 5 énergie. Du coup, on a toutes les deux notre petit symbole sur la planète grise. Okay. Et on est toutes les deux à trois planètes, normalement, sur cette map. Moi, j'ai la verte, soit la bleue. Ah oui, tout à fait. J'ai deux vertes et la grise, puisqu'on est à égalité. Oui. On a une chacune et deux égalités, quoi. C'est ça. Tout à fait. Ok. Donc la prochaine qui a sa planète pourra. Ah bah non, Mais c'est quatre. Il faut avoir quatre là, les chiffres planètes. sont pas ouf. Ah, c'est le 7 Alors, qui 6, 4, passe. 7 plantes. Bon, bah, c'est un 7. Je peux pas mettre autre chose, même si ce sera un 7, rien du tout. Tout est plein sur ces planètes. Moi je vais prendre celle-là. Non. Ah, quoique. 1, 2, 3, je suis majoritaire. Non, bah je vais faire ça. Je vais prendre le 7 plantes. Ou le 6, c'est Voilà. pareil. Là, tu finis. De toute façon, celle-là, elle était pour toi. Plantes et eau. C'était trop bien comme combo quand même pour le laisser. C'est clair. J'aurais pu me mettre sur la grise, mais bon. Il n'y avait plus de plantes et ça faisait mettre pour rien. Mais bon. Ça fait contrôler peut-être une planète. Je sais pas si c'est très stratégique. Alors, 15 énergies, 13 plantes et Ah. 11 eaux. Tu vas pouvoir finir ta planète, toi. Oui. Ah, c'est dégueulasse! Après, c'est. Il en faut encore une après. Ben non, c'est Ah bon? 4. 1, 2. Ah bah 3. oui, tout à fait. Oui, On en c'est a ça. 3 chacune, t'as raison. C'est Pardon. ça. Donc ça passe. C'est ça que j'avais compris, mais. En fait, si tu veux faire autre chose, vas-y, hein. Non, 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 ça va. Ça me va très bien. Je peux mettre deux plantes d'un coup, écoute. Ou alors, je mets une énergie, je sais pas. Qu'est-ce qui est mieux? Si je reste comme ça, Bon, ça fait c'est quoi? pas une possibilité. Allez, on va faire un 15 énergie. Je fais juste un test pour de ce courage pour voir. Ah, ça fait rajouter 6 points. 6 points. J'ai pris le 15 énergie. Ok. Alors que si je fais ça, ça fait 2 plantes en plus. Je te mets à jour, t'avais quelques planètes qui n'étaient Ah pas oui. encore indiquées. Parce que tu es aussi à 3 planètes sur l'autre. Quelle efficacité! Moi j'attends, je prends mon temps, je me partout. Allez, je vais pas faire d'énergie, je vais faire deux plantes qui me font gagner un point de plus. C'est ça. 13 Et donc, plantes. tu fais la Et mission. donc je fais ça. Et donc je fais la mission A. Donc 12 points.
Eh ben. Je crois que c'est la première fois que je joue sans être complètement perdue. Et c'est vrai que celle-là, elle demande un peu de pratique quand même. C'est pas évident, je trouve. Ouais. Alors, je n'ai pas tourné les cartes. 4 et 2 énergie et 9 eau et je joue à gauche. Puis à chaque fois, ça tourne mal parce que il reste plus grand-chose. En fait, Non, ça se remplit là. la feuille de droite, à part la planète bleue du bas, elles vont toutes être pleines. Ah, ouais, on va être coincé, on va faire Ça des va erreurs être système. ça, ça va être la misère. Bon, bah, du coup, moi je me mets sur le 9, j'ai pas trop le choix. Ça me fait un robot. Au moins, j'aurai de l'eau comme ça. Et je fais la mission A aussi. Mais un petit peu tard. Mais ouais, du coup, il nous reste plus que la planète du bas. On va se faire des erreurs système Aïe à aïe la aïe. chaîne. Alors qu'est-ce que je On peut fais très moi? très vite le terminer. 4 Alors. énergie, 4 énergie, je sais pas. 2, on peut pas. Et 9. 9, je peux, mais il n'y a pas d'eau. 4 Ok. Alors, 4 astronautes, 12 énergie et 8 plantes. Le 12, je crois que la mission, tu l'avais pas mis sur la bonne feuille, il me semble. Bah c'est ce qu'on peut écrire que d'un côté, l'émission. Ah oui, je me souvenais plus. C'est que du côté Ok. gauche. Ouais. D'accord. Ah, du coup, attends, du coup, je mets mon 5 de l'autre côté. Ah bah non, Bah t'as que pardon. d'un côté normalement. Ah ouais, T'as c'est ça, écrit mais comme ma voix est en l'air à droite, ça me où? perturbait. Ok. T'as tourné là? Oui. Donc 4 astronautes, Ok. 12 énergie et 8 plantes. Et je joue à droite. Et donc tout est plein. Effectivement. Un 12. Ça pour récupérer celle-là. Allez, c'est parti pour un 4 astronautes. Ça me fait. Ok, là, je récupère la planète. J'ai pas du tout fait assez de planning, ni de robot, moi. Toi, t'es pas mal sur la feuille de gauche. 1, 2, 3, Bah, il me 4, 5, manque un 6. robot. Mais en fait, la feuille de droite me fait peur. Je me dis qu'on peut tellement finir la partie super vite Oui, bah de toute façon, il que reste plus des masses de place, vraiment. hein. Ouais. Par contre, attends, j'ai fait des bêtises. Pourquoi? Ah si, oui. Je me disais pourquoi je viens de faire un robot. Il n'y avait pas de robot dans les feuilles, mais c'était le petit bonus de la planète grise. Il est tard. Ouais, les erreurs système, c'est sur l'une des deux feuilles, hein, donc enfin, si on en a deux sur une des deux feuilles, c'est fini. Alors, 5 plannings, 11 plantes et 8 robots. Ça passe encore pour la feuille de droite. Donc, je joue à gauche. Et puis en plus, ça m'offre la dernière plante qu'il me fallait pour avoir Ah, les cartes magnifique. plantes. C'est beau. 5, 11, 8. 5, 11, 8. Le 8, c'est bien. 8. 8 robots. Petite plante. Non, petite eau, pardon. Hop. On est à égalité sur la grise à gauche. La 7, 8, Et tant la grise 7, 8, 9, pis. Non, mais là, il y a un chiffre qui va sortir pour que je puisse la récupérer. là. Ça pique, s'il te plaît. Non. Alors là, par exemple, c'est pourri. Je te le dis, c'est nul. Mais le robot, c'est pas mal. Donc 6 et un Mais le robot et 6, je. 12 plantes. Attends, mais le 6, je peux pas le mettre. Le 6 et le 1, il n'y a plus de place. Bon, je mets le 12 sans plantes. Hein. Non, mais attends, du coup, moi, je me prends une erreur système. Ah. Il n'y a plus de place. T'as pas d'astronaute? Non. Non, oh, j'aurais dû prendre des astronautes. En fait, on n'en a pas trop pris Ouais. et je crois qu'on va le regretter. Moi, je n'ai pris que 1. Bon, bah, erreur système, hein. Ah. Ah, c'est moche. Ça fait mal. Ça fait mal. Hein. Ouais, et puis, je sens que l'autre va arriver dans la foulée. Alors, Non, c'est pas ça je passe. joue à gauche. 10 et 13 robots et 6 astronautes. Allez. Le Le 13, ça 13. passe.
Hop, un robot, ça donne une plante. Mais j'ai plus. En fait, j'ai trop de plantes. Je peux même plus Ah, inscrire là. je vais prendre l'astronaute à gauche, moi. Je vais prendre un 7, du coup. Comme ça, je vais prendre le robot. Ah, prends la major là-dessus. Et là. Non, mais il n'y a plus de place du tout là en fait. 7, c'est bon. Et du coup, j'avais un petit robot dedans. Du coup, je fais une plante. Oui, c'est bon. Je pense que c'est la fin, là, C'est ça? hein. 7 et 10 planning et 5 plantes. Et je joue à droite. Bon, Oui, là, je bah peux pas jouer, hein. moi non plus, Mais je il n'y a crois, plus parce de place qu'il du tout, reste là. dans tous les cas, en fait, il reste que la planète du bas. Hein. Enfin, moi, il me reste la verte et toi, il te reste la bleue. Et c'est tout. Bah, moi, j'ai plus de place du tout, là, si. Si, il y a. Ah, bah non. En fait. Ah oui, je l'avais terminé, pardon. Ah bah attends, du coup, est-ce que c'est pas une condition de fin de partie, ça? Si, je crois qu'on a fini les planètes sur toute une map. Ou si toutes les cases de planètes sont remplies sur l'une de vos deux feuilles, c'est ça. Donc en fait, c'était fini avant. C'est ça. Donc tu ne fais pas ce tour-là, en Non, fait. ce qui est pas plus mal, ça m'évite une petite erreur planning. Oui. Aussi, de fait, Ouais, parce que. bah moi, ça m'aurait fait une erreur système, du coup, Ouais, forcément. erreur système, pardon, planning. D'accord. Bon, j'ai merdouillé sur les missions, moi. Je pensais vraiment réussir à faire à celle sur Oh les bah avec les astéroïdes. astéroïdes, Mmh. ouais. Trop compliqué. Ouais, puis pardon. Les plannings, je pensais qu'on arriverait. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être les faire avec les cartes, hein. Parce que si tu veux vraiment aller au bout. Après, comme il y avait l'objectif des 7 astéroïdes, c'est vrai que ça faisait pile 7 pour y aller quand même. Ouais, je trouve que les plannings en plus sont tombés pas forcément là où on s'était mis à faire les robots, donc ça n'allait pas trop ensemble finalement. Ouais, Kiara dit, mais pourquoi avoir choisi l'option Mais je A? suis d'accord, hein, trop de haine, trop de haine. Ah, il y a bonjour Ron qui vient d'arriver. Ah ben oui. Bonsoir. Tu arrives à la fin de la partie. Et ben Je donc on sais va pas compter les points. si tu as regardé un petit peu avant, mais en tout cas, bienvenue. Donc faut compter les points des planètes obtenus, c'est ça? Tout le reste Oui, est alors automatique. attends. Donc sur la feuille de droite, faut pas oublier qu'on en a pas mal de partagés. Attribuer le contrôle des planètes incomplètes restantes aussi. Bah. Ah oui, moi j'ai la petite verte à gauche que je récupère. Donc là, Là. gris, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Ok. Bon, alors, je regarde à droite. Donc à droite, j'en ai. Une, Oh quatre. non, c'est la verte. Ça, c'est vert. J'ai fait bleu. Oula! J'ai mal cliqué, j'étais en train de me bonifier la boue à fond. On va éviter de faire n'importe quoi, hein. Écoute, j'ai pas eu mes objectifs, je récupère le point où je peux. Du coup, tu t'es dit, allez hop, on va maximiser De manière ça. malhonnête. Allez, le côté gauche, j'y crois un peu plus. Voilà, parce qu'on est une comme ça qui va bien rapporter. Bon, c'est pas fou, hein. Donc là, c'est pareil, pardon. Ouais, c'est pas fou fou, hein. J'en ai quatre sur celle de gauche. On est d'accord qu'on n'en a pas en commun. Hein. Non, J'ai là, deux c'est vertes, réparti. une bleue et une grise. Oui, c'est ça. Et ben Bon, voilà. tu gagnes largement, bien joué. Ben attends, faut additionner. Ah bah ça, disons que là, ça, j'avais un tout petit peu d'avance sur la feuille de droite et t'en as beaucoup sur la feuille de gauche, donc Bah, c'est ouais. assez net. Moi, ça me fait 110. Non, 100, pas du tout. La Tu fille, peux c'est pas écrire possible. là-haut, là. Ici, t'écris ton 73. Tiens, je l'écris.
73. Ça te fait 130. Ah bah Et moi 157. Ouais, bah dis donc, je pensais pas que j'aurais autant de décalage. non, j'ai trop traîné et t'as bien fait, tu t'es positionné vite sur pour récupérer certaines planètes. Ouais. Donc bien fait. C'est gentil. Mais c'est la première fois ouais, que je. C'est ce que je disais, que je suis pas trop perdue. C'est vrai que moi, elle me perturbe un peu cette feuille. Et je suis contente de pas avoir surnagé pour une fois. Moi, je suis contente de jouer avec une vraie personne dessus, plutôt que l'automa. C'est là qu'il peut être sans doute plus sympa parfois. Ah bah c'est sûr que du coup c'est toi qui choisis quand même mine de rien avec les cartes que tu veux enlever. Ouais, après, justement, y a un côté, y a un côté aléatoire. Je ne sais plus trop comment ça fonctionne, mais il y a des fois où ça te met bien dans la chose quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le chat? Chiara, tu peux rester On bien te dit sûr bravo. Ron. Ah bah oui. Tu peux rester, hein, on va papoter avec Annaïk, on Ouais. va discuter un peu de ce qu'elle fait dans le monde du jeu, de ce qu'elle propose sur son blog, sur sa page Facebook, tout ça. Donc on peut poser des questions, évidemment, comme dit Chiara. C'est le but aussi. Et merci, Chiara. Tu as les félicitations aussi, Annaïk. Bien joué Merci. aussi. Merci. Là, je Et suis mot dégoûtée pouillou. parce qu'en fait, je voulais le robot, le robot manquant. Il m'aurait apporté la mission robot et deux plannings pour essayer de prendre la majorité sur les dernières lunes. Ouais, t'avais Ça aurait 19 été points de pas mal. plus. Ça pouvait aider. Ouais, 19 points de plus, t'étais à 149. On n'était pas loin, hein. Ouais, ça aurait pu aider. Ouais, carrément. Ah, mais très bien joué. Et C'est c'est gentil. sympa. Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien jouer à cette aventure quand même. Même si au début, je comprenais pas. C'est très très bien fait hein. Le portage tabletop. Alors Ah. c'est petit et pas forcément du coup très pratique pour ça, mais je trouve quand même qu'on s'en sort bien, c'est intuitif et ça rend bien compte de l'expérience qu'on a sur nos feuilles. Bon, bah, chouette. Je transmettrai à Alain s'il nous entend pas en ce moment. C'est Alain qui fait ça sur Tabletop. C'est pas mal. Ouais, il y a du boulot, hein. Autant dire que Mais c'est j'imagine. beaucoup de temps pour chaque feuille, évidemment. Je pense que Alain a dû se dire à ce moment-là, peut-être que 8 feuilles, c'était trop pour mon C'est compte ça. personnel. Ah bah je pense que quand il a dit oui au départ, il a dû regretter amèrement quelques mois plus tard. C'est ça. Donc on peut peut-être quitter Tu peux quitter Tabletop, oui. Tabletop, comme Tout à ça fait. mon ordinateur a arrêté de souffler. Et puis je te verrai en même temps, ce qui est Mais plus oui, sympathique. ça peut être sympa. Alors pour Tu vas. les gens qui découvrent, après notre partie de Welcome, on papote. Et du coup, ben voilà quelques petits visuels pour présenter Anaïk. J'ai pas mis où tu habitais, tiens. T'as dit que tu étais de quelle région? De Je Normandie, suis en hein? Normandie. Oui, voilà, c'est ça. J'avais un gros doute d'un coup, là. Je me suis dit, d'habitude, je mets une petite carte. J'ai pas mis comme j'avais pas de ville précise, puisque tu habites dans la campagne, je crois. C'est ça, et ça n'a pas beaucoup d'impact sur mon activité ludique de Oui, toute façon. c'est ça. Donc si, éventuellement, ça peut dire aux gens de venir faire coucou. Pourquoi pas, venir en Normandie. C'est beau la Normandie, il faut y aller. Surtout la Non, côte. Moi, je préfère la côte quand même. alors là, on est quand même un peu loin de la mer. Hein. On Ah en a ouais. pour 1 heure et quart, 1 heure et demie pour atteindre la Ah plage. Donc oui, d'accord. Ok. voilà. Finalement, c'est pas trop trop loin de l'Île-de-France. Ah oui, t'es plutôt côté est en fait. C'est ça. Moi, je travaille à Vernon. C'est vraiment limite Île-de-France, Yvelines. Oh, c'est marrant Donc ça, Vernon, j'y suis allée pour un fest-noz il y a très longtemps. pourtant, ça ne respire pas le breton Non, mais il y là-bas. avait un fest-noz avec un groupe que j'adore, que je suis un peu partout, que je suivais quand j'étais étudiante. Et j'étais allée là-bas, par le plus hasard, le plus fou des hasards, on va dire plutôt. Et Donc, Chiara, c'est vrai qu'elle est à côté, elle habite vraiment à la frontière de la Bretagne et de la Normandie. Donc, elle dit que la ah oui, mais du Normandie, c'est coup, pas elle loin doit de être chez elle. voilà, côté Basse-Normandie. Ouais.
Voilà. Je connais bien aussi parce que j'ai grandi dans l'Orne. Là, je suis dans un autre coin de la Normandie. Mais voilà, si vous passez dans le coin, venez faire un coucou, pourquoi pas partager une partie. En plus, sérieusement, là, on vient d'acheter une maison. Dedans, on pense faire un Airbnb parce qu'on a un petit studio et je m'étais dit pourquoi pas faire un Airbnb ludique et inviter les gens qui séjournent, tu vois, à venir jouer avec nous quand ils sont là. Ah, trop bien. C'est Ça une peut bonne être idée, ça. un concept un petit peu sympa. Ouais. Il y a des gens sur Facebook qui proposent parfois... Enfin, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est des gens qui demandent de... Enfin, qui disent, voilà, on va en vacances à tel endroit ou alors on fait tel circuit pendant nos vacances. Est-ce qu'il y en a qui seraient partants pour nous accueillir chez eux, nous prêter un bout de canapé et Ouais, passer ça une j'ai vu. soirée jeu ensemble? Et ça a l'air de super bien marcher. À chaque fois, il y a plein de gens qui commentent. Je trouve ça excellent. Bah, c'est ça qui est sympa aussi dans la communauté du jeu de société, c'est que bon, c'est on est quand même des gens qui aiment partager. Et c'est des occasions comme ça qui permettent de rencontrer du monde en plus. Ouais. En plus, t'as l'air d'avoir plein de jeux. On les voit derrière toi. C'est ça. Bah, je nous ai mis dans le bureau comme ça, il y a un petit décor Ah ludothèque. bah ouais, Et, carrément. j'ai les welcome, mais ils sont cachés juste derrière mon bureau, mais ils ont leur petite étagère Ah, à eux. magnifique. Voilà. Et je suis trop contente parce que j'ai aussi le couvercle de Welcome to the Moon que j'ai ramené de Cannes. Ah, avec Parce que l'inogravure? c'est ça. Et en fait, j'étais dégoûtée parce que j'avais pas pris mon exemplaire, j'étais en train. Et j'ai croisé Benoît et j'ai dit mince, c'est dommage, j'ai pas mon exemplaire et tout. Il m'a dit, mais attends, je t'en donne un. J'ai dit, non, mais c'est bon. Il me dit, bon, tu vas bien prendre un couvercle, ça fera du SAV. Et donc, j'ai ramené un couvercle. Une Excellent. petite dédicace de Benoît et Alexis, qui sont des gens très, très sympas. Ah oui, Mais bon, adorable. chez Poker et adorable. Ah, c'est Donc, super que t'aies ça. plein de jeux à partager. Trop bien. Et du coup, alors, explique-nous un petit peu l'histoire peut-être de... Enfin, le petit historique de ton blog, ta page, ce que tu... Enfin, ce que tu avais envie de faire. Voilà. Alors moi je me suis lancée un peu après le premier confinement. Je pense que comme plein de gens le confinement m'a donné des idées et des envies. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire quelque chose dans le domaine ludique. Et moi j'adore écrire. Il y a une petite partie de moi qui voulait être journaliste je ne l'ai pas été parce qu'en fait j'ai fait un stage de troisième dans un journal où on m'a dit gentiment que ce qu'on attendait dans le milieu du journalisme, c'était pas qu'on sache bien écrire, qu'on fasse des belles phrases, c'était donner l'information. Ce qui Sympa. m'a dégoûtée parce que moi c'était le côté écriture qui me passionnait. Et donc voilà, j'avais envie de retrouver un peu l'activité d'écriture et je m'étais dit pourquoi pas dans le domaine du jeu de société. Et je voulais le faire en me disant je ne veux pas non plus faire un compte qui apporterait rien de différent de ce qui existe déjà. Il y a plein de choses très très bien dans le domaine du jeu de société. Si je viens, je voudrais apporter quelque chose de différent. La réflexion, elle est née un peu en écoutant l'UDEMA, donc Jérémy qui a travaillé chez Blue Cocker aussi, qui à ce moment-là avait aussi une chaîne YouTube qu'il a repris un peu là récemment, qu'il a repris sur Twitch, dans lequel il parlait du jeu de société, et qui constatait le fait qu'il n'y avait pas trop de critiques ludiques OK. à ce moment-là. Critique au sens où on l'entend dans le domaine littéraire ou cinématographique, qui ferait aussi vraiment des analyses de l'objet jeu, analyse argumentée, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'a parlé dans le sens où analyser les choses, c'est un truc que j'adore faire. C'est ce que je fais dans mon métier, puisque je suis prof de lettres, donc des analyses de texte, c'est ce que je fais et je me suis dit pourquoi pas l'appliquer au domaine du jeu. D'autant que pour moi, le jeu, c'est vraiment un objet culturel qui apporte plein de choses aussi en passant par le ludique comme information, comme prise de conscience parfois dans certains domaines.
Et j'avais envie donc de pouvoir présenter le jeu sous cet angle-là. Et donc suite à ça, j'ai créé mon blog qui s'appelle Je perds tout le temps. Alors ça s'appelle Je perds tout le temps parce que je ne perds pas tout le temps en vrai. Ça a rendu un peu fou mes amis et notamment mon mari qui a, le pauvre, il perd souvent quand on joue ensemble. Et donc il me dit, t'es gonflé quand même de choisir ce nom-là. Mais en fait, je voulais un nom qui avait un rapport au temps parce que je trouve qu'on est dans une société, surtout avec les réseaux, où il faut donner vite l'information, être rapide et puis que ça nous prenne 3 minutes pour avoir un avis sur les choses. Et ben, je trouve ça parfois un peu dommage. Et au contraire, je voulais prendre le temps d'analyser un jeu, rentrer dans des détails. Et même si, évidemment, je sais que en faisant ça, je m'adresse pas à beaucoup de monde, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de passer 30 à 40 minutes à lire un article sur un jeu de société. Mais c'était pas grave. L'idée, c'était justement approfondir les choses, me poser sur un jeu, dire tout ce que j'avais à dire pour rentrer dans les détails dans une Bon, critique. c'est super intéressant. Moi, je trouve d'avoir quelqu'un qui s'attaque dans le fond, de fond en comble à un jeu, tu vois. Finalement, c'est ça. Et puis c'est quelque chose que j'adore faire, alors je le fais sans pression. Là, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai commencé. J'ai peu d'articles publiés et là, je sors de 6 mois à peu près de disette parce que j'ai eu beaucoup de boulot et j'ai pas réussi à tenir le blog à jour. Là, ce que je te disais, c'est que je voulais sortir un article avant notre rencontre, histoire de redynamiser le blog juste avant qu'on échange. Bon, le Covid étant passé par là, ça attendra, je pense, ce week-end parce qu'il est bien amorcé. Mais voilà, je le fais sans pression, en me disant que le but, c'est aussi de me faire plaisir. Et franchement, je prends beaucoup de plaisir à passer des heures à analyser un jeu. Je prends ma boîte, je la retourne dans tous les sens, je regarde des détails, je fais des recherches sur tous les aspects du jeu. Et puis, ce que j'aime bien faire, j'ai une partie dans chaque article qui s'appelle le en dehors de la boîte, qui est l'idée d'ouvrir à un sujet culturel à partir du jeu que j'ai présenté, du thème qui est présent dans ce jeu-là. Donc ça peut être des sujets extrêmement diversifiés, d'actualité, d'histoire, de littérature, des sujets artistiques. Et souvent, voilà, j'ai pas forcément d'idées préconçues au moment où je commence à travailler sur un jeu. Je commence à faire des petites recherches et puis je me dis, ah tiens, ça, je connais pas du tout. Donc je vais partir là-dessus et je vais aller lire plein d'articles, plein de documents qui en parlent pour me faire un peu une idée sur le sujet et synthétiser ça pour avoir quelque chose à donner en prolongement de ce que j'aurais dit sur le jeu. Ouais, c'est excellent. Et du coup, Donc, par exemple, pour Welcome to the Moon, t'es parti sur quoi? alors pour Welcome to the Moon, j'ai la chance d'avoir un mari qui est ingénieur chez Ariane Group Oh, et ok. qui travaille sur un moteur de fusée. Et donc, je lui ai posé plein de questions un peu sur l'histoire de la conquête de la Lune, enfin, la conquête avec tous les sous-entendus qu'il y a politiques là-dessus, et sur la question de est-ce qu'on pourrait en vrai aller habiter sur la Lune? Est-ce que c'est des sujets qui se posent dans le domaine du spatial actuellement? Quels seraient les enjeux liés à ça? Donc, pour le coup, là, j'ai pas fait trop de recherches. C'est lui qui a bossé pour moi, qui m'a fait un petit bilan de ce qu'il disait aussi dans ce domaine. Et après, moi, j'ai synthétisé tout ça pour faire ce prolongement. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est de partir sur quelque chose que je connais pas pour découvrir et puis dire aussi que ça, c'est en cela que le jeu est un objet culturel. Il propose un contenu culturel dans son traitement d'un thème, par exemple. Et en fait, ça peut être une porte ouverte pour aller plus loin, se poser davantage de questions. Et voilà. Donc là, je suis en train de travailler sur un jeu et ça m'a fait aboutir à des notions que je connaissais pas du tout, comme le niveau trophique, qui renvoie finalement à la place de chaque être dans la chaîne alimentaire en fonction de ce qu'il consomme. Et je trouve ça super passionnant parce que je me dis, j'ai jamais entendu parler de ça. Et ben, je vais aller lire plein de trucs et puis je vais essayer d'en parler et de voir
comment je le rattache au jeu. Du coup, je suis hyper curieuse de Comment il savoir est. de quel jeu il s'agit. Ah, il est là, on parle de chaîne alimentaire. Hop. Et Ah. c'est God's Love Dinosaur. De catch-up, enfin localisé par catch-up. C'est un jeu de Casper Lab. Et tu connais le jeu ou pas du tout? Non, je connais pas. C'est un jeu qui a un petit pitch un peu débile. Moi, c'est les jeux que je préfère qui ont parti pris loufoque à la base. Et on est des dieux et on adore les dinosaures. Donc, on va créer une planète et tout un écosystème juste pour donner à bouffer à nos dinosaures et qu'ils se multiplient. Sauf que bah, ça demande une gestion assez précise parce que pour que nos dinosaures existent, il faut qu'ils puissent manger de la viande et donc dans ce cas-là, il faut des prédateurs qui eux-mêmes ont besoin de proie. Et voilà, il faut faire en sorte que tout ça fonctionne parce que si on a trop de prédateurs, à un moment, ils vont crever de faim parce qu'il n'y aura plus assez de proie pour se nourrir et pareil pour nos dinosaures. Donc voilà, c'est un petit jeu de tuiles comme ça et je suis partie un peu de l'idée préconçue de l'humain au sommet de la chaîne alimentaire. Ok. Et c'est là-dessus que j'ai fait des recherches qui m'ont emmenée à la notion donc de niveau trophique qui renvoie en fait à notre place dans la chaîne alimentaire en fonction de ce qu'on mange. En tombant sur un article super drôle qui dit que finalement l'humain en termes de prédation, il se situe au même niveau que... Attends, je vais retrouver l'animal parce que c'était un animal assez improbable. Et là, je l'ai oublié. Au même niveau que l'anchois, on a le. C'est ça. Parce que finalement, oui, on a la possibilité de chasser tous les animaux, mais on ne mange pas tous les animaux. Et notre alimentation est essentielle. Et pour beaucoup constituée de végétaux, etc. Contrairement à un prédateur comme le lion, qui lui va être 100% carnivore et qui aura un niveau trophique plus élevé que nous. Ouais, Enfin bref, du coup, j'ai appris plein de trucs là-dessus et bah, je fais un petit bilan. Ça m'amène à découvrir la notion de super prédateur. Qu'est-ce qu'on entend par là aujourd'hui? Et c'est intéressant. Et après, je fais un petit résumé de tout ça, des réflexions que ça a suscité chez moi. Et puis, je termine là-dessus. Voilà, c'est une partie que j'adore faire, qui va avec aussi tout le travail de recherche sur le jeu, sur comment le thème est traité, que j'aime beaucoup aussi faire. Excellent. Tu as Alain qui dit que en fait c'est un prolongement beaucoup plus fouillé de nos le saviez-vous sur les côtés de la boîte en parlant des en dehors de la boîte justement que tu fais. Ah, j'adore les petits le saviez-vous. Et c'est vrai que j'avais bien aimé notamment celui sur le Welcome to the Moon avec les fun facts. Ouais. Voilà, sur la Lune. Et oui, c'est un peu cette idée-là. C'est, voilà, plein. Et d'ailleurs, ça avait été aussi une des pistes utilisées pour le en dehors de la boîte de Welcome to the Moon. Je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver tous les fun facts sur la mission Apollo 11, je crois. On s'était dit. Si je me trompe, je vais me faire discuter par mon chéri. Mais voilà. J'envisage plein de trucs et parfois vraiment je commence avec un jeu et je me dis je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. Là pour God's Love Dinosaur, je m'étais dit oh, j'ai déjà traité plein de jeux qui parlent de dinosaures. Je sais plus ce que je vais raconter autour des dinosaures. Et puis finalement, en fait, en travaillant sur le jeu, ça finit par s'imposer et je trouve ça chouette. C'est quelque chose de sympa et de motivant. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui lisent cette partie-là, mais je sais qu'il y a des lecteurs qui m'ont dit, moi, c'est le premier truc que je lis dans l'article. Donc, ça fait Ah plaisir. bah c'est cool ouais, ça fait plaisir de savoir que les gens accrochent comme ça certaines choses que toi t'as vraiment c'est pas inventé tu vois mais c'est ton ta direction dans ton écriture c'est un peu une écriture journalistique mine de rien en fait. En tout cas, c'est l'approche que j'essaye d'avoir. C'est vrai que là, par exemple, je commence à faire un peu des festivals avec le badge presse. J'entends parfois, du coup, ah oui, badge presse, influenceuse. Moi, j'ai beaucoup de mal à me concevoir comme influenceuse, alors qu'en pratique, quand tu as un blog, Instagram, c'est vrai que c'est Ouais, l'étiquette c'est mais étiqueté comme ça. en fait, moi, dans ma façon de travailler, je me vois plus dans une approche plutôt journalistique
que dans l'influence, dans le sens où, voilà, clairement, le contenu que je fais, un article, c'est entre 5 et 7 000 mots la plupart du temps. Voilà, ça va pas être lu par autant de monde qu'un post Instagram. Ah bah non, c'est clair. Ça n'a pas du tout la même cible. Donc, mais c'est pas grave, c'est parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de fournir un contenu au sujet du jeu. Voilà. Y a Kira Donc, qui dit mais. que c'est une petite revanche sur le stage de troisième. Te voilà journaliste maintenant. Voilà, je sais pas si je me qualifierais de journaliste, mais en tout cas, c'est ce vers quoi j'ai un peu envie de m'orienter. Après, très clairement, c'est pas ce qui se dessine le plus dans le paysage ludique, hein. Et Ben non, mais c'est ça qui est c'est sympa aussi. mais voilà, moi j'aime bien ce positionnement, et puis je trouve ça intéressant de traiter un jeu à fond en envisageant tous ses aspects, pas uniquement voilà le plaisir lié à la mécanique, mais tout ce qu'il y a autour pour montrer que c'est pas juste un emballage. Que parfois, même si l'idée mécanique elle est venue en premier, il y a un boulot énorme qui est fait sur le thème, et notamment de la part des illustrateurs. Et je trouve que le travail des illustrateurs est pas toujours assez mis en avant. On en reste souvent à du c'est joli, mais alors que il y a un travail de recherche parfois énorme. Il y a des petits détails, des choses cachées partout, et c'est un régal de chercher tous ces éléments-là. Et je trouve ça super de creuser ces démarches et d'en parler, dans le sens où pour moi, ça, c'est essayer de prendre en compte tout le travail qu'il y a derrière un jeu et de montrer que faire un jeu, voilà, ça se fait pas un claquement de doigts, hein, c'est une œuvre. Une œuvre de l'esprit, au même titre qu'un livre, au même titre qu'un film. Et je pense que vraiment, ça devrait être reconnu comme produit culturel. Et voilà. Donc, j'aime passer du temps là-dessus. Clairement, ça me prend un temps dingue. J'imagine. Un article, c'est 30 heures minimum, Ouais. entre les recherches, la rédaction, etc. Donc, forcément, je ne peux pas avoir un rythme super élevé de publication, mais c'est pas grave, je me dis, l'important c'est parfois d'avoir le retour de quelqu'un qui a trouvé que c'était super intéressant et qui a envie de découvrir d'autres jeux sur le même thème, ou voilà, de faire des recherches complémentaires, ou simplement même de jouer au jeu. Et puis ce qui est top aussi, c'est d'avoir le retour des auteurs ou des illustrateurs qui parfois te disent, ah oui, bah, ça fait plaisir de voir qu'on a vu ce détail-là. Ça, c'est super Trop chouette. bien. Bah oui, elle indique qu'effectivement, Anne, par exemple, fait pas mal de recherches. Oui. Ah bah ça, pour le coup, je le sais, parce que quand j'ai découvert le travail d'Anne, c'était avec le premier Welcome. Et j'avais lu son carnet Ah d'illustratrice oui, ouais. sur Welcome, qui avait été publié sur Trick Track, où elle avait mis ses planches d'inspiration, notamment. Et c'est vrai que je me suis bien amusée aussi à essayer d'aller un peu sur ses traces en cherchant quelles étaient les sources pour telle ou telle chose. Et sur Welcome to the Moon, voilà, j'avais trouvé ça génial. Bah, il y avait une des captures d'écran que je t'avais partagée, où on voyait que, par exemple, pour les cartes du solo de Welcome to the Moon, elle a vraiment pris des photos d'archives, d'astronautes, de chercheurs. Il y avait une astrophysicienne, et voilà, c'est ces photos-là qui sont reprises sous forme de dessin. Ouais. Et c'est pas exposé de manière ostensible, à dire voilà, c'est telle personne ou quoi. C'est très léger, parce qu'en fait, c'est juste un prénom Ben oui. sur ces cartes. Mais quand on va chercher dans le détail, on se dit, ah oui, c'est la photo qui avait été prise à tel moment. On retrouve la photo d'archive, et c'est Ouais, génial. c'est hyper fouillé, quoi, en fait. C'est un boulot de dingue. Franchement, c'est un travail qui est admirable. Et dans le travail des illustrateurs, il y a parfois une dimension esthétique, artistique, qui est hyper intéressante, mais on voit aussi qu'il contribue énormément à la cohérence d'un jeu, à donner de l'épaisseur au jeu. Ah bah sans Et je trouve ça eux, important de les mettre c'est en avant. vrai que le jeu ne serait jamais le même, enfin. C'est ça. Et pas juste parce que ce serait moins joli, Bah oui, c'est pas ça. juste pour dire voilà, de manipulation, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui passent par l'image.
pour moi, c'est presque des co-auteurs, tu vois. C'est vraiment. Tout à fait, sur certains jeux, je trouve que c'est vraiment très très important. Bon, alors je me Ça suis fait taper contribue. sur les doigts par Kira, j'ai pas encore parlé de la question de Alain. D'où vient ton logo? Alors, mon logo, c'est un petit renard. Alors, à la base, je partais de l'idée du renard parce que, alors moi, c'est pas mon animal totem. Moi, je suis très éléphant. Ah ouais. Mais, oui, j'adore les éléphants. Mais le renard, c'est l'animal que j'associe à mon fils depuis sa naissance. Et donc, voilà, c'était un petit clin d'œil à mon renardo, à qui j'essaye de faire découvrir le monde ludique, pas depuis qu'il est né, mais depuis qu'il peut jouer aussi. Parce que, bah, c'est aussi ça le jeu de société, c'est le partage autour de soi, à ses proches. Voilà, autant j'adore faire découvrir des jeux autour de moi, autant. Initier mon fils à un jeu, je crois que c'est ce que je préfère, parce que c'est génial de voir les choses se mettre en place, d'avoir le côté un peu magique pour l'enfant de la découverte du jeu, c'est aussi top. Donc oui, c'est un petit renard. Alors à la base, il n'était pas comme ça. Et puis, j'aimais bien aussi parce que le renard, c'est facétieux. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à avoir un renard comme logo dans le monde ludique. Oui, c'est vrai. C'est pas pour rien. Et après, en termes de réalisation, il a été fait par Fiona, donc qui a fait notamment les affiches chez Miss Meeple Design. Tu connais Non. peut-être. Voilà, j'ai plusieurs affiches d'elle. Tiens, je vais te faire un petit. Hop, j'essaie de Ouais. bouger. Donc j'ai par exemple The Meeple King ici. Alors, tu as un reflet. C'est un Meeple Roi Lion. Excellent. Hop. Là-bas, j'ai dans le coin. Attends, faut que je bouge. C'est pas facile, je suis branchée. Hop, Oh, les Albicia hop, là. Didiesco. Ah, ça ne va pas du tout. Un petit, ils vécurent heureux et eurent beaucoup de jeux de société. Et là, en face, j'ai un Have you seen this meeple? Un meeple qui sort de la prison d'Azkaban. Excellent. Voilà, et en fait, j'aimais bien son travail, je trouvais ça hyper fun. C'est une fille très sympa, et donc je lui avais demandé de me faire un logo, elle n'avait jamais fait. Et voilà, j'avais envie d'un vrai logo, parce qu'au début, c'était un logo pris image libre de droit, voilà, à l'arrache au moment de créer le bloc. Et donc, on a fait ce petit renard facétieux. L'idée, c'était de s'inspirer un peu des meeples de route, que je trouve trop mignon. Les meeples de route? Oui. Du jeu route, tu sais, le petit vagabond. Ah oui, ok. Voilà. C'est vrai que Kiara note que effectivement le renard c'est un peu mon animal préféré, mais j'ai plusieurs animaux que j'aime bien. Mais c'est trop bien le renard, c'est trop mignon. Oui, j'ai plein de petits renards chez moi. Ah ben, du coup, ça te parle, le côté Ah oui, facétieux. j'aime beaucoup, moi. Et Alain disait, c'est vrai que je vais le dire parce que c'est une très jolie phrase, l'auteur c'est l'âme du jeu et l'illustrateur c'est le corps. Et oui, c'est beau. Tout à fait. C'est, on dirait du La Fontaine qui nous parle du récit et de la morale qui vont ensemble, le corps et l'âme. C'était joliment Désolée, dit, il fallait le une dire. préférence prof de lettres là qui ressort automatiquement. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce que tu fais sinon sur ton temps professionnel. Tu vois, tu es prof de lettres en lycée, c'est ça? Prof de lettres classiques, Lettres donc classiques. j'enseigne le français, le latin et pas cette année, mais je Le pourrais le grec. grec ancien. Donc voilà. En Normandie. En Normandie, c'est ça. Voilà, dans un lycée. Moi j'aime bien les grands ados. Ouais, c'est Donc limite des jeunes adultes là. c'est ça. Pas, en transition. Ouais. En transition, on voit qu'il y a pas mal de choses qui se font justement sur le lycée. On les récupère encore enfants en seconde. Et puis, ils s'épanouissent en 3 ans. C'est assez sympa à voir. Ouais, c'est vrai que c'est bon, on a une belle évolution en collège aussi, hein. C'est vrai que Ah, c'est ça, ouais. C'est bien de pouvoir suivre les élèves sur plusieurs années. ouais. Il y a de beaux changements qui se font. D'autres un peu moins beaux, mais c'est comme ça. Après, c'est comme ça dans la vie, C'est hein. ça, c'est la vie. Et voilà, l'avantage, c'est que là, en lycée, on a presque fini l'année.
Donc là, déjà, ce week-end, a priori, je pourrai sortir mon article et je vais pouvoir en sortir un, j'espère, de manière beaucoup plus rapprochée que là, ces mois de latence. Parce que là, la fin de l'année, tu dis c'est bientôt, mais c'est plus tôt que nous, en collège. Oui, parce qu'après, on passe en mode examen. Donc, on a un planning complètement différent. Là, les cours s'arrêtent le 14 juin. Ah oui, Donc, ah, ça fait 15 jours de moins. Oui, ok. voilà, donc, parce que après, on a les 2 jours d'examen et puis en français, on est convoqué pour faire passer les oraux de français pendant une semaine et pour corriger les copies du bac de français. Donc, voilà. Mais corriger les copies, ça se fait à la maison. Donc, c'est du boulot, mais bah, pas pareil que d'aller en cours. Ouais, t'as plus de Et temps personnel pour toi. je peux avoir un peu plus de temps personnel. Alain dit qu'il était très con au lycée. Voilà. Mais oui, souvent, ils sont très cons au lycée. Mais pas que. Voilà. Et j'aime bien les ados parce qu'ils sont aussi très spontanés. Et c'est bien aussi, parfois, un peu de spontanéité. Dans un monde où tout contrôle tout, tout le temps. Donc, des fois, c'est agréable. Mais parfois, ils sont juste cons. Il faut Oui, être c'est ça, honnête. c'est de la Et bêtise. fatigant. Voilà. On arrive à la fin de l'année. Là, je suis contente parce que ça va être bien aussi de temps en temps de plus avoir des élèves tout le temps. Voilà. Il y en a qui vont me manquer. Il y en a, non. Soyons honnêtes. Il y a toujours un petit pourcentage. Oui, c'est ça. Il se fait clasher par Kiara. Ça la surprend même pas qu'il ait été con au lycée. Il n'y a pas que Je du suis pas sûre péjoratif. que Alain ait un super rapport avec l'autorité, par exemple. Je sais pas. C'est vrai. Qu'en penses-tu, Alain? Ça va être sa fête, le pauvre. Mais non. Alors juste, je reviens sur ton blog. T'as plusieurs onglets dans ton dans l'organisation. T'as une partie critique, t'as une partie thématisée et une partie monde ludique. Oui, alors toutes n'ont pas été autant exploitées. C'est des choses que j'ai envie de creuser un peu plus. Donc critique, c'est la partie principale. Donc avec ce que je te Ouais. disais, on essaye d'analyser vraiment tous les aspects du jeu, les passer au microscope et de dire un peu ce que j'en pense, sachant que j'en fais pas beaucoup aussi parce que je ne critique que les jeux que j'ai beaucoup aimés. Alors, c'est un sujet dans le monde ludique qui est un peu épineux dans le sens où il y a plein de gens qui aimeraient qu'il y ait plus de critiques négatives. Mais moi, très honnêtement, passer 30 heures sur un jeu que j'ai pas aimé, non, parce que déjà, en plus, bah, pour faire une critique, je veux avoir joué au jeu plusieurs fois. Un jeu que j'aime pas, je vais pas m'amuser à y jouer plein de fois. Donc voilà, je fais que sur des jeux que j'ai vraiment aimés. Ensuite, donc j'ai deux autres rubriques. La première, c'est monde ludique, dans laquelle j'essaie de traiter d'initiatives qui m'ont plu. Donc j'ai fait que 3 articles dans cette catégorie-là jusqu'à présent. Un article sur la box Ludum à laquelle j'étais abonnée personnellement, donc Ok. j'aimais bien le principe. Un article sur l'auberge des voyageurs, qui est un hébergement ludique en Bretagne, très sympa. Ah ouais, c'est vrai que ça a l'air bien. Voilà, éco-ludique et tout, auquel je m'étais rendue. J'y suis allée 2 fois et je trouve que c'est des choses chouettes dont il est bien de parler. Parce que ça peut devenir une destination de voyage. Et nous, on y allait spécialement avec des amis. On s'est dit week-end jeu de société. Voilà, en plus en Bretagne, qui est quand même une des plus belles Oui. régions du monde. Du monde. Voilà. Vive la Bretagne. C'est pas moi qui le dis. Voilà, j'habite en Normandie, mais j'aimerais vraiment habiter en Bretagne. Voilà. Dans mon boulot, c'est quasiment impossible. Mais bon. Pas évident. Donc voilà, et le dernier article, j'ai fait sur MyLudo, où j'avais interviewé le créateur de MyLudo pour voir un petit peu Ah comment oui. est-ce qu'il fonctionnait. Et bon, j'ai envie de creuser un peu. Là, ça fait un moment que je me dis que j'aimerais bien contacter le GBL, par exemple, le groupement des boutiques ludiques, pour voir un peu comment ils fonctionnent, ce que leur apporte cette association. En plus, moi, mon ludicaire.
Donc la boîte monde à Évreux, ils sont au GBL, donc voir éventuellement aussi la parole d'une personne qui est au GBL pour voir ce que ça lui apporte. Tout ça, c'est des choses qui m'intéresseraient. L'association des auteurs de jeux aussi. C'est des gens que j'aimerais bien interviewer et faire un bilan pour faire un bilan de ce qu'ils font. Donc ça, c'est des choses beaucoup plus générales, d'ailleurs qu'on trouve ailleurs, mais l'idée, c'est de prendre des sujets qui m'intéressent, là encore. Et la dernière catégorie, c'est thématisée, où là, pour l'instant, j'ai fait qu'un seul article là-dessus, et je pense que ça va être compliqué d'en faire beaucoup parce que il faut la matière. C'est l'idée de prendre plusieurs jeux qui parlent d'un même thème, de les traiter d'abord individuellement et après de faire une analyse globale de la gestion du thème dans ces jeux, avec les différences, les points communs, voilà, mettre en avant les singularités de chacune des démarches dans le traitement de ce thème. Donc là, je l'avais fait sur trois jeux de catch-up games qui parlaient d'Égypte. Et ça avait été super intéressant parce que c'était des traitements très différents. Et je pense que c'est là que ce type d'article peut être intéressant pour montrer que un jeu expert, entre guillemets, même si voilà, ce terme pose problème, qui va avoir fouillé le thème, l'avoir utilisé dans les moindres recoins, avoir une approche quasi historique vraiment. N'est pas forcément beaucoup plus légitime à aborder un thème qu'un jeu familial qui va le prendre parfois de manière un petit peu décalée, mais dire aussi des choses de cette manière-là. Et je trouve que c'est intéressant de parler de ces différentes entrées, ces différentes façons de faire. Donc là, je l'avais fait sur trois jeux sur l'Égypte. Et j'ai voulu le refaire récemment. J'étais partie pour, j'avais fait tout le plan, etc. Je voulais parler de trois jeux qui avaient une approche de sensibilisation à la nature pédagogique. Donc j'avais pris Wingspan, Meadow et Canopée, qui avaient notamment comme point commun très fort de rajouter du texte lié à chaque carte pour apporter des précisions sur le milieu naturel qui était très très proche dans cette dynamique-là. Et en fait, en travaillant dessus, je me suis dit le problème c'est que la gestion du thème reprend vraiment les mêmes outils et finalement elle était trop Ah proche oui, il n'y avait pour pas que je cette puisse différence. vraiment faire quelque chose d'intéressant. Donc j'en avais fait un petit point sur mon compte Instagram où je fais des présentations plus rapides et donc j'en avais fait un petit volet là-dessus. Et voilà, il faut que je trouve des thèmes. Je pense que c'est vrai que l'histoire s'y prête particulièrement Oui, parce c'est que vrai. voilà, il y a plein de façons de traiter les choses pour avoir une perspective vraiment comparative intéressante sur les jeux. Trop bien, en tout cas, ces projets. Voilà, mais oui, c'est des choses. Voilà, je trouve que comme ça me plaît, ça me motive. Oui, bah c'est ça, Et c'est comme c'est tout, hein, de vraiment. toute façon. Dès qu'on C'est a ça. quelque chose qui nous passionne, on se donne à fond et c'est tout ce qu'on fait n'est jamais une contrainte, quoi. C'est ça. Tu as C'est Alain ça. qui te rappelle, si jamais tu ne le savais pas, que Benoît, c'est le président de la Société des auteurs de jeux. Donc tu peux lui demander. Oui, je sais. Et en effet, maintenant, en fait, je me dis juste qu'il faut que je prenne le temps de me dire, alors c'est parti, là, je fais cet article et que je trouve des questions intéressantes parce qu'en fait, je ne doute pas que les gens à qui je vais parler soient des gens intéressants, qui aient plein de choses à dire. Mais voilà, encore faut-il que moi, j'ai des questions intéressantes à leur poser pour qu'il y ait quelque chose de bien qui ressort de tout ça. Mais Donc je ça se trouve que voilà, prépare. c'est des initiatives qui sont super, voilà, ces regroupements dans le monde ludique. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait exister d'ailleurs au niveau de tout ce qui est presse ludique, les influenceurs, peut-être un regroupement. Je sais qu'il y a Ludo du Labo des Jeux qui était au Labo des Jeux, qui n'y est plus, qui militait beaucoup pour ça. Et je pense qu'on aurait intérêt parfois à se regrouper pour donner peut-être un peu de cohérence Oui, à et tout ce qui peut de se faire. transparence à tout ce qui peut se faire parce qu'on a des pratiques extrêmement différentes. Moi, par exemple, sur chacun des articles de blog, j'écris quand j'ai reçu la boîte de l'éditeur parce que ça me semble important, parce que les gens se posent toujours ces questions.
et peuvent se demander dans quelle mesure c'est un biais. Donc, je trouve que autant l'indiquer. Et puis après, les gens font leur avis là-dessus en fonction. Voilà, si c'est pour certains, c'est rédhibitoire, mais je sais que c'est pas du tout le cas partout. Voilà, et peut-être que harmoniser certaines pratiques, ce serait bien. C'est aussi une idée. Voilà, mais c'est pas toujours Ah facile. ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, Alain rappelle que tu peux aussi laisser parler Benoît, ça suffira. C'est vrai. Là, pour l'avoir croisé à Cannes, il a l'air bavard en plus. Je pense qu'il peut dire, plein de choses. Très bien. Les auteurs de jeux, je pense, ont souvent beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ça me rappelle Théo Rivière aussi, parfois, Oh, parler. passionnant. En plus, je me dis, moi, tous les auteurs de jeux sont adorables, j'ai l'impression. Et ben d'ailleurs, la prochaine fois, on aura Mathieu Aubert D'accord. qui sera en live avec nous. Mathieu qui a fait notamment qui a participé à des Unlock. Alors je reprends et qui a participé avec Théo justement au jeu du paquet de chips là. Je sais pas si t'as entendu D'accord. parler du paquet de chips. Ah ben oui, ça y est, nous, il était acheté le week-end de sa sortie, ou celui d'après. On s'est fait un petit pique-nique dans un parc avec un paquet de chips. C'est très bien, c'est très fun. Bah ça me m'intrigue beaucoup en tout Ah oui, non, mais bah, c'est très efficace. cas. Et dernièrement, c'est ça, il a participé à une ou deux aventures de Unlock. D'accord. Alors je ne sais pas laquelle, par contre, j'avoue, je ne sais plus. Mais Et celui puis moi, qui a je réadapté jouais. les jeux de société là. Ah oui, avec la Avec. version Aventure du Rail, C'est ça, tout ça. Mysterium et puis Pandémique. Y a Alain qui demande si j'ai parlé des millions que Bleu-Coquard m'a donné pour écrire des gentilles choses sur Welcome, j'imagine. Bah, je ne sais pas, tu as gagné des Des millions? millions de des millions de croquettes, Alain? Alors c'est vrai que j'ai des animaux à nourrir, hein. Les croquettes ça peut fonctionner, mais... Je ne sais pas, Non je mais ne pour sais le pas. coup, en plus je suis contente de faire le live parce que je ne le dirai jamais assez, mais moi Bleu-Coquard c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, parce que voilà, je les ai découverts avec Welcome et ça a été... Il est tout de suite monté dans mes jeux préférés. Et c'est vrai que dans le premier ou deuxième article que j'ai publié, dans les commentateurs, j'avais Alain qui me félicitait pour l'article écrit. Et alors c'était un niveau là de joie et de fierté, mais inégalé. Je me suis dit, voilà, Alain de Blue Cocker qui me dit qu'il a aimé mon article. J'étais trop fière. Et puis c'était très très sympa d'avoir un soutien alors que tu commences. Bah oui, Tu t'es dit, mais me mets derrière mon ordi, j'écris un truc. Voilà, peut-être que personne ne va eh le mais lire et si, tu tout. vois, il y a des gens qui lisent. C'est ça, mais ça fait plaisir. Et c'est pour ça, moi, je dis que ce n'est pas forcément le nombre qui compte pour moi, mais voilà, si y a des gens qui sont contents de ce qu'ils ont lu et qui ont trouvé leur compte, eh ben, c'est super. Ouais. Mais de toute façon, je pense que ce genre de choses, enfin, le fait que tout ce que tu fais est un peu unique, en fait, finalement, dans le monde on va dire des influenceurs, mais disons des personnes présentes sur le net qui parlent des jeux de société. Du coup, ça peut que intéresser. C'est des petites pépites, quoi, à chaque fois que tu mets en ligne et qui vont forcément intéresser et les auteurs, les éditeurs. Enfin, je pense que les éditeurs, de toute façon, font des recherches sur ce qui est écrit sur leur jeu. Et. Oui, je pense que. Et puis, après, je suis pas sûre que tous soient autant sensibles à ce qui est écrit sur leur jeu, mais il y en a pour lesquels on sent que vraiment, en effet, c'est quelque chose d'important, même quand c'est nuancé, parce que voilà, je dis rarement que tout est parfait. Il y a toujours quelques petits bémols quand même dans mes critiques, des petites choses sur lesquelles je me dis, ah voilà, ben ça aurait pu être plus creusé, etc. Mais voilà, je trouve que c'est bien aussi d'avoir le retour des gens qui ont fait le jeu sur lequel on a réagi. Ouais. C'est
Bon, c'est top. Voilà. Bah, ça peut pas C'est être plus pas le cas. constructif. C'est ça. Ouais, et puis c'était génial. Bah, on avait pas mal parlé avec Théo quand j'avais fait l'article sur The Loop, Ouais. qu'il avait bien partagé. Et lui, il m'avait dit, mais c'est génial parce qu'en fait, t'as dit plein de trucs où je me suis dit, en fait, j'ai pas pensé à ça quand j'ai créé le jeu, mais c'est un peu vrai en fait. Et c'est assez génial parce que c'est un peu ce que je dis moi à mes élèves quand ils me posent la question, mais l'auteur, il a pensé à ça au moment d'écrire. Et je leur dis, mais en fait, peu importe, la littérature, elle est faite pour les lecteurs, et ce qui est important, c'est ce que le lecteur va en ressentir, l'effet qui est produit, ce qu'il va pouvoir en dire. Et c'est pas ce que l'auteur a voulu, lui, il y a 200 ans, et de toute façon, on ne le saura jamais, hein. Il ne peut pas me passer de coup de téléphone pour me confirmer telle ou telle chose, mais c'est ce que ça va éveiller en toi. Comment tu vas être capable de te l'approprier et de le ressortir après de manière argumentée. Et clairement, je pense qu'en effet, peut-être que dans mes analyses de jeu, parfois, je vais trop loin comme dans des analyses de texte. Mais voilà, est-ce que c'est grave à partir du moment où c'est des choses qu'on a perçues? Ah bah non, c'est notre En parler, interprétation. je pense pas. Donc, voilà, mais c'était rigolo et. Théo, c'est quelqu'un de génial. Mais moi, je n'ai rencontré que des gens géniaux hein, dans le domaine du jeu. Les gens sont très très sympas et bienveillants. Le C'est monde est super beau. agréable. C'est Le ça. monde ludique, en tout cas. Et d'amour dans le monde ludique. Je crois que c'est une très jolie formule de fin. C'est vrai, tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tout ce que tu fais, tout ce que tu écris, et puis cette partie ensemble, c'était très chouette. Ah oui, c'était sympa. Et puis bah merci pour l'invitation. Et bien, avec grand plaisir. On refait ça quand tu Merci veux. aux quelques personnes qui nous ont écouté et composé des questions. C'était Ah sympa. bah oui, il n'y avait pas la foule, mais bon, c'est pas grave, il y a quelques C'est pas personnes. grave. Moi, alors, je le dis, la qualité et pas la quantité. C'est ça. Il faut arrêter de chercher le nombre, de chercher le chiffre en tout. Des fois, un peu de qualité et de profondeur dans les choses, c'est bien. Exactement. Bon, encore merci. Et puis bah du coup, ceux qui étaient là ce soir, ceux qui sont toujours là, on se retrouve dans 15 jours pour eh ben, un live, je ne sais pas de quoi, parce que peut-être que vous avez envie de faire autre chose. Chiara, d'ailleurs, toi qui es là, il y avait Mopoyo aussi qui était là tout à l'heure. Si vous avez envie de jouer à Welcome Classic, Welcome to Your Perfect Home, on peut faire une petite pause dans The Moon. Et sinon, ben, pourquoi pas choisir une aventure. Je pense que voilà, on va faire un petit sondage sur Facebook pour que vous donniez votre avis et dire ce à quoi vous avez envie de jouer pour le prochain. Mais on peut bien sûr jouer à Welcome to the Moon, refaire la première, refaire l'affrontement. Enfin voilà, il y a plein d'options. Pourquoi pas un Welcome extension, Kiara? Ok. Eh ben, est-ce que tu as une extension Attends, mais de toute Propose façon, je peux pas trop tout faire, moi. Je crois qu'il y a les canards, je ne sais plus. Rest in Peace aussi, c'est vrai, tout à fait. On pourrait jouer à Rest in Peace. Donc, à bien oui. voir ce qui va se passer. Genre les glaces, oui, j'aime beaucoup les glaces, mais je crois qu'elle n'est pas sur Tabletop. J'ai un doute. Je vais regarder avec... un tout petit peu de temps devant moi. Donc on verra. Et puis dans tous les cas, on se retrouve dans 15 jours pour ceux qui le souhaitent. Si tu as envie de venir jouer avec nous, Anaïque, n'hésite pas. Oui, je pense que j'essaierai au moins de passer faire un coucou pour le chat. Ah, il n'est pas sur TTS, les glaces. Ben, peut-être un autre, on verra. En tout cas, peut-être on peut faire une petite Non, pause. mais c'est surtout que je pense que Alain ne réalise pas. Il veut faire une big box, mais alors il va falloir travailler sur Tabletop pour pouvoir après jouer à tout ça en ligne. Ouais, si on veut pouvoir faire des lives sur les nouvelles extensions, peut-être, peut-être. Bon, en tout cas, merci à tous et puis on se retrouve dans 15 jours. Bonne fin de soirée, bonne nuit et tutti quanti. Merci beaucoup et bonne soirée.